Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cet événement qui se déroule dans le cadre de la 26e édition du festival Cité Philo, consacré donc cette année à nous vivants. Alors Cité Philo, je tiens à remercier, et qui est en partenariat avec l'Université populaire d'Amiens et l'Université Picardie-Jules Verne. Alors j'ai le plaisir ce soir, enfin, nous avons le plaisir et vous allez avoir l'immense plaisir de l'écouter, de recevoir ce soir Marc Dayron, immunologiste, directeur de recherche émérite au Centre d'immunologie de Marseille-Luménie, chercheur invité à l'Institut Pasteur, membre associé du laboratoire IHPST. En 2019, il a publié l'immunologie des cancers chez Odile Jacob et l'immunologie, la vie, même éditeur et que vous pouvez d'ailleurs trouver en vente ici. Et je remercie la librairie du Labyrinthe d'avoir fait en sorte que ce soit possible. C'est un super livre. Voilà, je me suis régalée, c'est passionnant et je vous conseille de le lire. Dans ce livre, donc, Marc, tu réfléchis tant aux idées reçues sur le système immunitaire, un système immunitaire qui serait une forteresse de défense, qu'au lien entre système immunitaire et système nerveux et aux relations avec les autres. Des problématiques passionnantes sur les deux grands systèmes biologiques, en tout cas les problématiques qui vont peut-être le plus interpeller, sur les deux grands systèmes biologiques, nerveux et immunitaires, qui permettent à l'organisme de percevoir le monde extérieur et intérieur, et d'y répondre, sont développés en profondeur. Le 26 novembre, tu as accepté de participer à une table ronde, David, dans le cadre des débuts du festival Cité Philo, une table ronde qui était consacrée à qu'est-ce que le vivant, avec Anne-Marie Moulin, Xavier Buchet et Jean-Claude Dupont. Et aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'être venu nous parler de l'immunité ou la vie avec les autres. Alors, l'immunité nous protège contre les microbes. Nous savons toutefois que nous vivons avec des microbes qui nous habitent et dont nous avons besoin autant qu'ils ont besoin de nous. Tu vas présenter le fait que peut-être une autre façon de voir est possible. Ni innée ni acquise, l'immunité est un compromis qui se renégocie sans cesse entre nous et les autres. Tous ceux qui nous constituent, que nous hébergeons ou que nous côtoyons. Plus qu'une protection, l'immunité est une condition nécessaire d'existence pour les chimères que nous sommes. Marc, c'est avec un grand plaisir que je te donne la parole. Céline, merci. Merci beaucoup. Ceci dit, je pense que tu as à peu près dit tout ce que je voulais dire ce soir. Donc, si vous avez autre chose à dire. Très peu de plaisanterie. Je suis vraiment très touché, très, très heureux d'être là et très touché que Céline m'ait invité à cet événement, et surtout à cet ensemble d'événements, à cette manifestation extraordinaire de Cité Philo. Et vraiment, je suis extrêmement impressionné, vraiment impressionné de l'existence et surtout du succès, du fait que quand même, il est 18h30, un peu plus, 18h30, vous êtes là. Il y a en ce moment à la télévision un match de foot avec le Brésil contre la Croatie. Allez, dégagez-les. Céline me dit que juste en face, il y a une maison de la culture avec un truc de danse extraordinaire. Donc je suis quand même très peu compétitif, je vous prie de m'excuser. Et vraiment, je vous remercie beaucoup d'être là et ça me touche beaucoup. Donc je vais vous parler d'immunité. Alors je ne vais pas parler de Céline parler de ce parallèle qu'effectivement je fais dans ce livre entre le système immunitaire et le système nerveux. J'ai décidé de ne pas parler de cet aspect des choses ce soir parce que on ne peut pas tout parler et je peux revenir si tu veux pour en parler. Mais, et donc j'ai recentré sur l'immunité de la vie avec les autres. Malgré tout, quand même, l'idée c'est celle-ci, c'est qu'on a finalement des systèmes biologiques, hein. Je ne sais pas trop si ça existe, les systèmes biologiques. On a parlé du système immunitaire, moi je ne sais pas si ça existe, le système immunitaire, on va voir. Mais si ça existe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système de relations qui nous permet d'interagir avec le monde des vivants, alors que le système nerveux, c'est un système de relations qui nous permet d'interagir avec les phénomènes physiques, c'est-à-dire le monde physique. Et ces deux systèmes, évidemment, travaillent ensemble, collaborent, se régulent l'un et l'autre, mais c'est deux façons de percevoir le monde, et moi je vais parler donc d'immunologie et d'immunité. Alors, j'ai centré tout ça sur l'immunité parce que l'immunité, tout le monde connaît, surtout depuis le Covid,
Je ne peux pas ouvrir la radio sans qu'on entende parler d'immunité. Et on a bien compris que l'immunité, c'est cette espèce de... Le système immunitaire, c'est ce système d'autodéfense qui nous permet de défendre contre tous les méchants. Et l'immunité, c'est cet état, c'est cette espèce d'assurance-vie qu'on a contracté une fois pour toutes. Eh bien, je vais essayer de voir avec vous, de vous montrer que peut-être ce n'est pas si simple et que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, l'immunité, donc, qu'est-ce que c'est? Si on essaye de comprendre, de redémarrer, d'oublier. On va essayer d'oublier ce concept, on va essayer de redécouvrir les choses qu'on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est l'immunité? L'immunité, c'est un privilège. C'est le privilège de ceux qui ne sont pas morts. C'est le privilège de ceux qui ont survécu aux épidémies. Et c'est le privilège de ceux qui ne voilà, qui sont pas morts et qui ont acquis quelque chose, ceux qui ne sont pas morts, qui les rend un peu différents des autres. Et j'ai cherché dans la littérature cette notion d'immunité. Le mot, non, parce que vous allez voir, il n'existe pas encore, du moins pas pour ça. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Quand on lit les choses, même dans la peste, le livre de Camus, le roman de Camus, on ne trouve pas cette notion d'immunité. Je l'ai trouvé dans deux endroits. Dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, qui raconte l'histoire de la peste d'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont on pense que ce n'était pas la peste, probablement plus le choléra, mais peu importe, qui est une description extraordinaire, et qui a été reprise sous le texte de Thucydide, a été repris par Lucrèce par la suite, c'est exactement la même chose qu'il a pratiquement copié-collé. Et dans ce texte de Thucydide, on voit ça, ceux qui avaient échappé à la maladie étaient en sécurité. C'est pour ça qu'ils étaient plus compassissants avec les malades. En effet, les rechutes n'étaient pas mortelles. Enviés par les autres dans l'excès de leur bonne fortune présente, ils se laissaient verser par l'espoir d'échapper à toute maladie. Et le deuxième endroit où je l'ai trouvé, c'est dans Daniel Defoe, le journal de l'année de la peste, où il raconte en 1722, dans un roman, il raconte l'histoire de la peste de 1666 de Londres. Et c'est un document, c'est extrêmement bien documenté, extrêmement bien fait, et considéré comme une des meilleures descriptions d'une épidémie de peste. Et donc dans ce texte, on peut voir, on peut lire ça, et on le voit pratiquement pas exprimé ailleurs, on a pu voir des parfaits merveilleusement protégés de l'infection, d'autres merveilleusement délivrés après l'avoir eu. Et ces libérations indiquent une singulière et remarquable providence dans les cas particuliers auxquels elles se rapportent. Autrement dit, on est dans le domaine du miracle. C'est extraordinaire. C'est la providence. Et lui-même se considère, lui-même Daniel Defoe, qui ne l'a pas attrapé, se considère comme, ou du moins le narrateur, se considère comme un miraculé. Alors donc, c'était bien connu depuis longtemps, mais ce n'était pas nommé, même si le mot existait. Le mot existe depuis longtemps, puisqu'il vient du latin immunitas, et immunitas, c'était un mot qui désignait une exemption, une distance. Et ça appartenait essentiellement au langage. Ça apparaît pour la première fois au XIVe siècle, en France, puis c'est pris en Angleterre. Et c'est du langage juridique. C'est une exemption de charge. L'exemption de payer les impôts ou de porter les armes, peu importe. Et comme tous les privilèges, c'est quelque chose qui peut être aussi bien inné, quelque chose qu'on a de naissance, les nobles n'avaient pas besoin, par exemple, de faire telle ou telle chose, ou qui peut être acquis parce que le prince peut faire de vous un privilégié et vous accorder le privilège de faire ceci ou de faire cela, ou de ne pas faire ceci ou de faire cela. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne devient utilisé dans le domaine médical très tardivement, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, 1865, c'est le moment où Claude Bernard publie vous savez de quoi je parle. Et donc, ça apparaît pour la première fois dans le dictionnaire médical, chirurgical et pharmaceutique des sciences accessoires et de l'art vétérinaire de Littré Robin, donc, pour parler donc de cette immunité morbide. C'est intéressant parce que donc, nous avions, en fait, qu'est-ce que c'est que l'immunité? C'est une métaphore tirée du langage juridique et qui est appliquée à une connaissance, à un savoir populaire, ancestral et immémorial. Alors l'immunité, d'un seul coup, évidemment, je vais vous la faire courte, je passe beaucoup d'étapes,
mais brutalement en 1880 pour la première fois, puis 85 pour la grande chose de la rage, eh bien, Pasteur va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va faire l'abolition du privilège. Et l'abolition des privilèges, il fait ceci, que au lieu d'être un privilège, l'immunité devient la chose du monde la mieux partagée, puisqu'il suffit de se vacciner pour l'acquérir. Et à partir de ce moment-là, et j'adore cette image qui montre ce pasteur derrière, là, en train avec un élève à lui, en train de faire le travail, alors que le monde entier vient, alors bien sûr c'est une image d'Épinal, mais le monde entier vient se faire vacciner, et ça c'est vrai. C'est les Russes de Smolensk qui se sont fait mordre par les chiens, les Chinois que vous voyez ici, les gens du monde entier qui viennent, rue d'Ulm, on est en fait, là on est en 1889, quand j'avais commencé, l'Institut Pasteur était créé déjà depuis un an, mais avant cela, quand il travaillait rue d'Ulm, à l'école normale supérieure, il venait déjà se faire vacciner de cette façon-là. Et c'est ainsi que Pasteur est devenu ce bienfaiteur de l'humanité extraordinaire à cause de parce qu'il a permis donc la vaccination. À partir du moment où on a eu la vaccination, Pasteur n'avait pas beaucoup d'idées sur comment ça marche la vaccination. Il avait une idée, mais je pense qu'il devait bien savoir que ce n'était pas tout à fait vraiment la vraie idée. Et encore qu'il y a des choses dont vous allez voir que c'était extrêmement prémonitoire. Pasteur pensait que la vaccination c'était comme un flacon de culture. L'hôte était assimilé à un flacon de culture. Et quand on cultive pendant un certain temps, des bactéries, des microbes, dans un milieu de culture, au bout d'un certain temps, il n'y a plus assez à manger dans le milieu de culture et les microbes arrêtent de pousser et ils meurent. Donc si on fait pousser une culture de microbes dans un flacon, au bout d'un moment, on prend le milieu et on remet d'autres microbes dedans, ils ne poussent pas. Donc lui, il pensait que quelqu'un d'immunisé, c'était pareil. On lui avait injecté des microbes qui avaient goulotté tout ce qui était bon. Et puis quand il y avait le microbe revenait, mais il n'avait plus rien. C'était une mauvaise inhalation. Autrement dit, c'était un problème, effectivement, de nutrition. Alors, je crois qu'il était peu dupe de la réalité vraiment de cela, mais en fait, vous verrez ça met en résonance des choses tout à fait intéressantes. Donc, malgré tout, Pasteur était vieux. Déjà. Enfin, il était vieux avant l'âge parce qu'il avait eu quand même son premier AVC alors qu'il avait 46 ans, je crois. Puis il a eu un deuxième AVC juste avant qu'on lui construise l'Institut Pasteur. Donc Pasteur était très diminué, il marchait très mal, il était vieux. Et c'est pas lui qui s'est occupé de savoir comment ça marchait les vaccinations, c'est toutes les écoles qui se sont mises à travailler. Et pour ça, eh bien, une nouvelle science est née, la science de l'immunité. L'immunologie. Et c'est intéressant parce que il a fallu longtemps pour que cette science accouche d'un système. Longtemps parce que la première occurrence du mot système immunitaire date des années 1962 ou 3, je crois. Au tout début des années 60. Comme on dit, l'humanité et toute la création a vécu son système immunitaire jusqu'en 1960. Et à partir de ce moment-là, on acquiert un système immunitaire, on comprend qu'on a un système immunitaire. Du moins, on pense qu'on a un système immunitaire. Et ce système immunitaire, ce qui est pas tout à fait remarquable, c'est que donc il a été conçu pour fédérer toutes ces observations qui avaient été faites pour comprendre comment marchait l'immunité protectrice vaccinale. Or, petit à petit, ce système immunitaire devient un système physiologique comme les autres, sélectionné au cours de l'évolution. Si les vaccinateurs aient pu jouer le moindre rôle dans la sélection naturelle, évidemment. Donc, mais peu importe, on peut lire dans les livres encore aujourd'hui d'ailleurs, le système immunitaire a été sélectionné au cours de l'évolution pour nous protéger contre les pathogènes. Donc ce système devient un grand système physiologique dévolu à la défense de l'organisme contre les pathogènes et des systèmes immunitaires, je mets entre guillemets, des systèmes de défense, je pourrais dire, sont décrits partout, chez tout le monde. Chez les animaux, chez les plantes, chez les métazoaires, chez les protozoaires, chez les bactéries même, chez les archées, il y a des systèmes de défense et la défense devient une fonction vitale universelle assignée au système immunitaire. Formidable. D'ailleurs, ouvrez la radio aujourd'hui, c'est parfaitement conforme avec ce que je viens de raconter. On a donc un système immunitaire et ce système immunitaire, comment fonctionne-t-il? Bien un peu plus tard que les années 60, les années 70,
On va le définir comme un système qui est capable de distinguer le soi et le non-soi. Pour pouvoir détruire le non-soi en respectant le soi. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça commence à devenir un peu ésotérique, ça commence à devenir un peu métaphysique aussi parfois, et puis très idéologique aussi. Et qu'est-ce que c'est que le soi ? Ben, le soi, c'est nous. Qu'est-ce que c'est que le non-soi ? Ben, c'est pas nous. Et le non-soi, finalement, c'est les autres vivants, tous les autres vivants. Y compris d'ailleurs les cellules à nous qui sont plus tout à fait à nous, qui sont été modifiées, qui se sont transformées, comme on dit, pour devenir des cellules tumorales. Donc on a un système immunitaire qui est créé de cette façon-là et qui on attribue cette fonction. Et moi je m'interroge, et depuis que j'ai commencé avec l'immunologie, j'ai commencé à m'interroger là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce système ? Conçu comme un système de défense contre les pathogènes, et qui n'a rien à voir avec toutes ces choses que je montre là, et qu'est-ce qui lui prend de s'intéresser à du pollen de graminé, du poil d'oreiller, des poils de chat, de la plume d'oreiller, du poil de chat, des déjections d'acariens, et pire du pire, des aliments. Qu'est-ce qui lui prend de s'intéresser à des choses comme ça qui n'ont jamais fait de mal à la personne, et quand il s'en occupe, il nous rend malade et quelquefois il nous tue en quelques minutes. Ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs pas pour rien que très rapidement, on l'a appelé ces réactions des allergies, allergies du grec allosergon, c'est-à-dire d'autres réactions. C'était une bizarrerie, c'était une autre réaction. Une autre réaction qui affecte aujourd'hui plus de 30%, peut-être 25%, de 30%, un tiers de la population des pays développés. C'est difficile de faire une autre réaction quand c'est aussi important que ça. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire qui est défini par sa capacité à reconnaître le soi et le non-soi, et à qui il arrive malgré tout de reconnaître le soi, et quand il reconnaît le soi, eh bien, il s'attaque à des organes vitaux, et quand il s'y attaque, eh bien, il nous rend malade. Vous voyez la centaine de maladies auto-immunes qui sont produites par le système immunitaire contre tous ces différents organes. Alors, comme les allergies, c'était d'autres réactions, c'est des erreurs de cible, personne n'est parfait. Et si vous regardez dans le sérum de tout un chacun, de moi, qui n'ai pas de maladie auto-immunitaire, du moins je ne le pense pas, je ne le sais pas, on trouve des auto-anticorps dans mon sang. Des auto-anticorps qui ne font rien, avec lesquels je vis sans aucun problème. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire qui est défini par sa capacité à rejeter du non-soi et qui va permettre à un fœtus qui porte des antigènes paternels de se développer pendant 9 mois au fond du ventre maternel sans autre problème ? C'est quand même un peu bizarre. Surtout que c'est une expérience extrêmement reproductible. Et le système immunitaire est loin d'ignorer ce fœtus. Il le voit parfaitement. Il y a des anticorps, des légers quand des antigènes paternels, et des cellules. Et si, à certains nombres d'avortements, on sait que c'est dû au fait que le système immunitaire n'a pas fait son travail comme il faut. Qu'est-ce que c'est enfin que ce système immunitaire, qui est conçu au départ pour reconnaître les microbes, et qui va permettre que des microbes s'installent dans notre organisme, en particulier dans notre intestin, prolifèrent et vivent toute leur vie dans notre intestin, au point de devenir une partie, un organe oublié, comme le dira joliment Margaret McFaul-Guy, surtout quand on se rend compte que ces microbes finissent par contrôler le système immunitaire au moins autant que le système immunitaire ne les contrôle. Quand même, ça fait beaucoup de trucs. Ça fait beaucoup de problèmes. Est-ce que ces anomalies sont le prix à payer pour cette fonction vitale de défense que nous assure le système immunitaire ? Ou est-ce que tout simplement, elles nous apprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? On se trompe, on n'a pas compris. Et que le système immunitaire, c'est parce qu'on croit. Et je voudrais ici utiliser
cette petite citation donc de Gaston Bachelard qui nous dit « L'évidence première n'est pas une vérité fondamentale. » En fait, l'objectivité scientifique n'est possible que si l'on a d'abord rompu avec l'objet immédiat, ce qui s'impose, si l'on a refusé la séduction du premier choix, si l'on a arrêté et contredit les pensées qui naissent de la première observation. Vous voyez bien quand même que la Terre ne bouge pas quand on voit ici, quand on regarde autour de nous. Toute objectivité dûment vérifiée dément le premier contact avec l'objet. Et j'adore cette image que j'ai empruntée à Marino De Gallo qui fait des dessins pour les enfants en particulier et qui, à mon sens, est une remarquable illustration de ce que c'est que la science. Ok. Ayant dit, ayant posé les choses de cette façon-là, maintenant je voudrais vous annoncer le plan que je vais, de ce que je vais vous raconter. Il y aura 5 parties. Dans un premier temps, ben voilà, enfin bon, j'ai différentes parties, peu importe, on va les retrouver. Donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est qu'on va essayer d'oublier tout ce qu'on a dit. On va essayer d'oublier tout ce qu'on croit. Et on va imaginer un système immunitaire qui serait débarrassé de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui le contraint. C'est-à-dire un système qui n'a pas d'a priori, qui n'est pas fait pour quelque chose, qui n'est pas fait pour la défense, ni pour rien du tout. On va dire que c'est un système biologique, et on va essayer de le réduire à sa plus simple expression, en oubliant tout ce qui est connexe, en essayant de le débarrasser de toute idéologie et de toute métaphysique, et on va essayer donc de se fonder sur des faits établis plutôt que sur des effets escomptés. On va essayer d'adopter une démarche bottom-up, comme on dit aujourd'hui, et non pas top-down, comme c'était fait jusqu'à présent. Donc, soit un système, quel qu'il soit, on va l'appeler immunitaire pour parce qu'on n'a pas d'autre mot, et on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une réaction immunitaire. Une réaction immunitaire, ça marche en deux temps. Une première partie, c'est une stimulation. Un stimulus stimule un système immunitaire, qu'on appelle immunitaire, comme ça. La deuxième partie, c'est que le système immunitaire répond à ce stimulus. Et la particularité de cette réponse, c'est qu'elle s'exerce sur le stimulus. On a évoqué tout à l'heure le système nerveux. Je crois qu'une des grandes différences, par exemple, avec le système nerveux, c'est que le système nerveux n'agit pas sur le stimulus, il agit sur le corps. Je prends un exemple. Il y a du soleil, ou même il y a cette lumière-là, qui m'éblouit. Voilà, elle m'éblouit. J'ai du mal à voir. Qu'est-ce que je vais faire ? Avec mon système nerveux, là, tel que je suis là, je suis incapable d'agir sur la lumière. Et si c'est sur le soleil, je suis encore plus incapable d'agir sur la lumière du soleil. Par contre, je peux cligner les paupières, je peux contracter ma pupille, je peux mettre des lunettes de soleil. Tout ça, c'est mes muscles qui répondent. Et ça ne répond pas sur le stimulus, ça me permet simplement d'interagir avec le stimulus sans le modifier. Le stimulus, lui, va modifier le stimulus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui est propre. Donc, je vais définir, et ça sera ma théorie minimale, elle est entièrement comprise là-dedans, une réaction immunitaire est une réponse à et sur un stimulus, point final. Alors maintenant, on peut essayer de rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire ? Le système immunitaire, c'est des cellules. C'est des cellules qui patrouillent dans l'organisme, qui sont partout dans l'organisme. Certaines sont dans le sang, donc elles vont partout, d'autres sont dans des tissus. Elles sont là, mais elles en bougent, elles changent de tissu. Parfois elles sont des tissus, puis dans le sang. Parfois, elles vont dans le sang, puis elles vont dans les tissus. Donc, c'est des cellules. Et ces cellules, elles sont nombreuses, de différentes catégories. C'est pour ça que je les ai représentées de différentes catégories. On verra par la suite qu'il y a des cellules myéloïdes et des cellules lymphoïdes. Qu'est-ce qu'elles reconnaissent, ces cellules ? C'est quoi un stimulus ? Un stimulus, c'est des macromolécules. Qu'est-ce que c'est que des macromolécules ? Les macromolécules, ce sont ces cellules qui sont propres aux vivants, qui sont fabriqués par des assemblages linéaires de sous-unités. Les macromolécules, les deux grandes catégories, ce sont des acides nucléiques. Et vous connaissez tous cette molécule qui est l'assemblage de quatre bases, essentiellement, pas seulement, mais qui est définie par l'assemblage de quatre bases, quatre nucléotides, qui va prendre cette forme en double hélice que vous connaissez bien. Les protéines, ce sont des assemblages de 20 acides aminés qui, eux, sont très différents par rapport aux nucléosides.
Et ces 20 acides aminés vont s'assembler dans un ordre particulier, dans beaucoup d'ordres possibles, évidemment, pour faire tout autant de protéines, et vont acquérir, vont prendre des configurations particulières qui sont dues simplement aux forces qui s'exercent entre les différents acides aminés. Certains se repoussent, d'autres s'attirent, et ceci va permettre de faire ces boucles que vous voyez ici. Et puis ces molécules, parfois elles sont fabriquées d'une chaîne comme celle-ci ou de plusieurs chaînes associées, donc une grande diversité. Donc c'est ça les molécules. Alors quand on appelle les macromolécules, c'est parce que c'est des grosses molécules. Elles sont grosses, elles ont un gros poids moléculaire, quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers de Dalton, c'est des grosses molécules. Et ça va jusqu'à plusieurs millions de Dalton. Donc comment est-ce que les cellules reconnaissent ces macromolécules? Eh bien parce qu'elles expriment à leur surface et ailleurs des récepteurs qui leur permettent de reconnaître la forme de ces molécules. Et quand ces molécules interagissent avec le récepteur, eh bien ceci va déclencher un signal intracellulaire qui va se propager à l'intérieur de la cellule, mettre en route toutes sortes de réponses biologiques à l'intérieur qui vont conduire à la réponse cellulaire elle-même. Et cette réponse va dépendre principalement du type de la cellule. Ok. Qu'est-ce que reconnaissent donc ces récepteurs? Eh bien, ils reconnaissent aussi bien des molécules intracellulaires que des molécules extracellulaires, tout simplement parce qu'il y en a qui sont situées à la surface des cellules et d'autres qui sont à l'intérieur des cellules. Alors, je ne vais pas vous les décrire en détail, mais juste pour vous donner une idée, il y en a beaucoup. Les récepteurs sont en bleu, est-ce que ça reconnaît? C'est en rouge. Donc, il y a beaucoup de récepteurs qui reconnaissent beaucoup de choses, qui sont certains d'origine virale, d'origine bactérienne, mais pas seulement, loin de là. Et ce sur quoi je voudrais insister avec cette diapositive, c'est que le récepteur perçoit, je vais définir peut-être ce terme-là, percevoir, c'est pas comme pour le système nerveux où on dit qu'il y a la sensation, la perception c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on a intégré tout ça. Là, je vais utiliser le mot perception au sens minimal. Percevoir, ça veut dire sans qu'il y ait quelque chose qui est, je vais dire perçu, sense en anglais, comment est-ce qu'on dirait en français, qui interagit avec l'extérieur, par exemple, la bouille du récepteur, et ce récepteur va délivrer un message à l'intérieur de lui, par l'autre extrémité, ça veut dire qu'il perçoit quelque chose à l'extérieur et il informe la cellule qu'il y a à l'intérieur. Cette perception, c'est uniquement ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dehors, il y a quelque chose qui est transmis à l'intérieur. C'est ça le fait qu'on perçoit quelque chose. Ce n'est pas juste un site de liaison. Un site de liaison, ça serait quelque chose qui ça se fixerait dessus et il se passerait. Là, un récepteur se fixe dessus et là, hop, il envoie un signal à l'intérieur. Okay? Donc, j'appellerais ça perception. Donc, qu'est-ce que le système immunitaire perçoit dans ces molécules? C'est la forme de ces molécules, pas autre chose. Il ne perçoit pas en quoi c'est fait, ni à quoi ça sert, ni ses fonctions chimiques ou biologiques. Ça forme les molécules. Et tout simplement, est-ce que les formes sont complémentaires? Et la chose importante, c'est que ni les cellules, ni encore moins évidemment les récepteurs, ne savent ce qu'elles ont perçu. C'est juste, il y a quelque chose qui s'est fixé dessus, ils ne savent pas ce que c'est. Alors bien entendu, selon que c'est dehors ou dedans, ça ne va pas fixer les mêmes choses. Il y a des choses qu'il n'y a que dedans et des choses qu'il n'y a que dehors. Ça va pouvoir donner une information sur quand même la nature de la chose. Mais quand même, au niveau du récepteur et de la cellule, il n'y a aucune distinction, pas de reconnaissance de soi, non soi ou n'importe quoi, de pathogène ou pas pathogène. Ça fixe le ligand. Deux ou trois choses pour caractériser ce système. Et après, on quittera un petit peu la science un peu plus dure. Une réponse immunitaire met en jeu deux grandes catégories de cellules. D'abord parce que ce n'est pas exactement les mêmes cellules, mais aussi parce qu'elles ne fonctionnent pas, surtout parce qu'elles ne fonctionnent pas exactement pareil. Une première catégorie de cellules, eh bien, ce sont des cellules qui perçoivent le stimulus et qui elles-mêmes sont suffisamment nombreuses, suffisamment matures, suffisamment différenciées pour agir immédiatement sur ce stimulus ou sur ce qui porte ce stimulus. Ce sont essentiellement les cellules myéloïdes et puis une catégorie de lymphocytes qu'on appelle les innate lymphoid cells. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais une molécule stimule une cellule qui répond, point final. Et puis il y a une deuxième grande catégorie de cellules, c'est les lymphocytes. Ceux-là, il n'y en a pas beaucoup, et ils ne sont pas différenciés suffisamment. Ils ont besoin de finir de se différencier, et ils ont besoin de se multiplier. De telle sorte que quand il y a une stimulation, il va y avoir
un lymphocyte qui sera stimulé, mais ce lymphocyte, ils sont peu nombreux, et surtout, ils sont naïfs, ils ne sont pas terminés, ils ne savent pas faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent pas tuer comme ils vont avoir là, apprendre à le faire, ni faire de libérer des cytokines ou n'importe quoi, ou faire des anticorps. Donc, ils ont besoin de se multiplier, se différencier, de telle sorte que ça prend du temps. Parce que pour que des cellules se multiplient, il faut au moins 24 heures, 48 heures. Donc pour qu'il y ait assez de cellules qui soient multipliées, il faut une bonne semaine. C'est pour ça que ça prend une semaine d'avoir des anticorps dans le sang quand on est immunisé, quand on a un vaccin par exemple. Donc ça, c'est ces deux grandes catégories de réponses. Ce n'est pas les mêmes cellules qui font et qui perçoivent pour les lymphocytes, alors que c'est le cas pour les autres. Et ceci, ça correspond à ce qu'on appelle l'immunité innée à l'immunité adaptative, que généralement on vous décrit par cette façon-là. Mais c'est ça le fondement, me semble-t-il, du problème. L'autre chose intéressante, c'est qu'une fois que la réponse est terminée, le système immunitaire a une mémoire. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire? Eh bien, il se trouve que quand tout se termine, quand le stimulus a disparu, il reste plus de cellules qu'il y en avait avant qui étaient capables de voir le stimulus en question. Et puis surtout, il y en a certaines qui se sont différenciées, qui restent différenciées, qui vont avoir une longue durée de vie et qui vont rester là. De telle sorte que quand le stimulus revient, eh bien quand il va arriver, il va trouver beaucoup plus de cellules qui vont être capables de répondre tout de suite. La réponse sera plus rapide et elle sera plus intense. C'est une réponse mémoire, c'est ce qui se passe dans un rappel de vaccination par exemple. Le dernier point, un tout petit peu plus compliqué, mais que je crois est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une cellule donnée, il y a deux grandes catégories de récepteurs. Ces deux grandes catégories de récepteurs, ils sont mis en marche ensemble sur la cellule. Et la chose intéressante, c'est qu'il y a toujours un récepteur activateur et des récepteurs inhibiteurs. Comme finalement, vous, pour conduire votre voiture, à côté de l'accélérateur, il y a un frein. Il y a toujours deux pédales. Le truc, c'est qu'en général, quand le stimulus arrive, il appuie sur les deux pédales en même temps. De telle sorte que la réponse, c'est l'équilibre entre les signaux positifs d'activation, les signaux négatifs d'inhibition. Autrement dit, une réponse, l'activation d'une cellule, ce qui va mettre en route une cellule, c'est pas comme un interrupteur on-off. C'est le déplacement d'un équilibre préexistant. Une cellule au repos n'est pas au repos, elle active, elle inhibe en permanence, mais à un moment donné, un ligand se vient engager des récepteurs et hop, il y a un déséquilibre vers l'activation. Et dès qu'il y a un déséquilibre vers l'activation, eh bien, il y a des mécanismes qui ramènent à la situation neutre, de telle sorte qu'on retourne à ce qu'on appelle le repos. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de chacune des cellules. Mais au niveau des populations, il y a d'autres cellules, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, qui contrôlent les réponses de l'ensemble. Vous voyez, j'ai remis ici, mais simplement je les ai mis avec l'antigène ici. Il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens, mais c'est la même chose, la réponse innée adaptative. Mais il y a de très nombreux niveaux, il y a des cellules régulatrices qui poussent dans un sens, qui poussent dans l'autre sens. Il y en a de toutes les catégories qui agissent à différentes étapes. Vous avez peut-être entendu des checkpoints. Dans les nouveaux traitements anti-cancer qu'on a même, pas plus exactement les checkpoint inhibitors, les inhibiteurs de checkpoint. Là, c'est ça. C'est donc à ces différents niveaux, il y a des systèmes où on régule les réponses. Et vous verrez que c'est tout à fait important. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, des réponses immunitaires, on en fait tout le temps. Notre système immunitaire, il ne se met pas en marche seulement quand on rencontre un virus. Le système immunitaire, il marche tout le temps. Sauf qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on est bien important, c'est d'ailleurs pour ça qu'il marche le système immunitaire, et c'est pour ça qu'on est bien important, et que tout va bien. D'ailleurs, un système vivant, ça a cette caractéristique, je parlais tout à l'heure d'interlocuteur on-off, il n'y a pas un interlocuteur on-off sur un système vivant, quel qu'il soit. Si vous l'éteignez, il meurt. Pas une machine. Un système vivant, ça ne peut être vivant qu'en étant vivant. Ça ne peut pas s'arrêter. Ok, on va s'arrêter là pour ce qui me semble. On pourrait continuer pour dire un certain nombre d'autres grandes propriétés pour remplir ma théorie minimale que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça va suffire pour ce que je voudrais vous démontrer, maintenant. Et on pourra éventuellement complexifier si on veut par la suite.
Donc la deuxième partie, je vais parler de tous ces microbes qui vivent avec nous. Et la première chose, je voudrais vous rappeler, vous parler de nos ancêtres, les microbes. Parce que nous sommes tous, nous avons tous des ancêtres microbiens. C'est Lynn Margulis qui a proposé cette idée qu'en réalité, les premières cellules, aussi bien animales que végétales ou humaines, elles dérivent de la fusion de différentes bactéries. Et en particulier de ces deux catégories de bactéries qui ont des mots, des noms un peu compliqués. L'important, c'est qu'il y en a, il y a une catégorie qui a des flagelles. Et ces flagelles ici, elles ont beaucoup de systèmes qui vont être utilisés par la suite. Et puis celle-là n'en a pas. Et ces deux bactéries vont fusionner pour fabriquer cette espèce de monstre. On a ici l'ADN des bactéries qui se retrouve ici. Et puis on a ici cette protéine, cette cellule de fusion qui va, au bout d'un moment, utiliser ce qui permettait aux flagelles ici de battre pour aller entourer l'ADN et fabriquer ce qu'on appelle un noyau. Et ce qui caractérise les cellules qu'on appelle eucaryotes, c'est-à-dire toutes les cellules qui vont être les cellules animales et les cellules végétales et qui vont différencier des archées et des bactéries. Donc, on a ici une protocellule, mais qui est déjà eucaryote parce qu'elle a déjà son ADN, mais qui est cette fois-ci entourée d'une membrane dans un noyau, contrairement aux bactéries. Et la chose intéressante, c'est que cette cellule-là, eh bien, elle va continuer d'interagir avec des microbes. Certains microbes vont pénétrer dedans, soit parce qu'elles peuvent rentrer pour l'infecter, soit parce qu'elles sont phagocytées par la cellule. Et puis, certaines, au cours de l'évolution, se sont trouvées bien dans la cellule. Et la cellule n'a pas été gênée de cela, au contraire. Elle s'est rendue compte, la cellule, que la bactérie apportait quelque chose que la cellule ne savait pas faire. En particulier, cette bactérie apportait la capacité de fabriquer de l'énergie, de fabriquer de l'ATP, grâce à toute la chaîne des cytochromes, que la cellule ne sait pas faire. Et ceci donc a fait que la cellule a gardé les bactéries, et les bactéries sont restées dedans. Et aujourd'hui, on appelle ça des mitochondries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos cellules, tous les jours, nous avons des bactéries qui travaillent pour nous, qui permettent à chacune de nos cellules de respirer. Et donc, ces cellules, ayant des mitochondries, ont été à l'origine des cellules qui ont donné naissance, à qui ont donné la capacité de fabriquer tous les animaux de la création. Certaines de ces cellules ont hébergé d'autres bactéries en plus. Et c'est en particulier de ces bactéries que j'ai faites en jaune ou en vert comme ça, parce que celle-là, elle est capable de faire de la photosynthèse. Elle est capable d'utiliser la lumière pour fabriquer des choses. Et ceci s'est installé de la même façon que les mitochondries se sont installées dans ces cellules animales. Eh bien, les chloroplastes, puisque ce sont des bactéries qui se sont installées là aussi, se sont installées dans ce qui est devenu des cellules végétales qui étaient à l'origine de tous les végétaux possible et imaginable. Plus fort encore, c'est pas fini, j'aime beaucoup celle-là, la cochenille. La cochenille, c'est une espèce d'insecte qui dévore des tas de choses et qui ennuie les jardiniers. Et là, cette chose extraordinaire, c'est qu'elle a des cellules particulières qu'on appelle des bactériocytes, parce que ce sont des cellules qui contiennent des bactéries. Et ces cellules qui contiennent des bactéries, elles contiennent cette espèce qui s'appelle comme ça Tremblaya princeps. Et la jolie chose, c'est que ces bactéries elles-mêmes contiennent des bactéries. On est dans un système de poupyrus. Il y a des Moranella endobia qui ont colonisé les Tremblaya princeps, qui ont colonisé les cochenilles, qui font que les cochenilles sont la terreur des jardiniers. Vous voyez que cet être vivant est le produit de trois catégories de génomes qui fonctionnent ensemble. Donc c'est ça nos ancêtres, les microbes. Nous sommes tous issus des microbes. Mais on n'est pas, on n'a pas la mémoire courte. On n'est pas comme dans beaucoup de cultures, on respecte nos ancêtres et on les accueille chez nous. Et en particulier, on sait bien que ici c'est seulement ce qu'il y a dans l'intestin. Nous avons dans l'intestin des bactéries, mais pas seulement. Des bactéries, des virus, des protistes, des champignons, des archées, et dans des nombres absolument
astronomique, puisque rien que des bactéries, on en a dans l'intestin, on en a à peu près un nombre autant, à peu près aussi important que qu'on a de cellules en tout dans notre corps, dans notre organisme. Et c'est encore pire pour les virus, etc. Et les archées, c'est à peu près pareil que les autres. Rendez-vous compte, je voudrais juste insister sur cet aspect ici. Ici, il y a, ça représente 93% de l'ADN total, rien que dans l'intestin. Dans le corps, dans l'organisme entier, c'est quelque chose comme plus de 99%. Ça veut dire que moi, sur cette estrade ici, moins de 1% des gènes que j'ai dans mon organisme sont des gènes humains. 99% sont des gènes microbiens. Dans l'intestin, mais pas seulement dans l'intestin, nous en avons dans les poumons, dans les voies génitales, sur la peau, nous en avons à peu près partout, ou plus exactement, nous en avons surtout là où nous avons des limites avec le monde extérieur, là où on est en relation avec le monde extérieur. Et vous verrez pour la fin que c'est tout à fait intéressant. Et voilà toutes les sortes de choses qu'on a ici ou là, et donc bien plus nombreux que toutes les cellules de l'organisme. Finalement, c'est qui? Qu'est-ce qu'on est? On est eux ou on est où ils sont nous? C'est quand même pas si évident que ça, finalement. Ils constituent ce qu'on appelle le microbiote. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà ce que une chercheuse américaine, Margaret McFall Guy, avait appelé, je trouve c'est très joli, cet organe oublié. Cet organe oublié, vous vous rendez compte, par rapport à la vision avec laquelle on a démarré, hein, des microbes dont il faut se débarrasser. Donc nous sommes des chimères, nous sommes des méta-organismes, des holobiontes, tout ce que vous voulez, mais nous sommes cela, nous sommes cette association de vivants, un organisme vivant, et donc le produit de tous les génomes de cette communauté d'organismes qui sont liés par une relation de dépendance symbiotique. Et je voudrais vous montrer deux ou trois exemples que j'aime bien. Vous savez peut-être donc que la vache qui passe sa vie à brouter et à ruminer est parfaitement incapable de digérer l'herbe, de même que tous les herbivores. Aucun herbivore ne sait digérer l'herbe. Si les herbivores digèrent l'herbe, c'est parce qu'elles hébergent en particulier pour les vaches, dans le rumen, c'est pour ça qu'on les appelle des ruminants, une poche de leur intestin, de leur estomac, elles hébergent des bactéries qui, elles, apportent les enzymes qui sont les cellulases que la vache ne sait pas faire et sans laquelle elle serait parfaitement incapable de digérer la cellulose de l'herbe, donc l'herbe. De la même façon, ces termites sont parfaitement incapables de digérer le bois. C'est les bactéries qu'elles ont dans leur microbiote qui leur permettent de digérer les composants du bois. Cet animal, c'est un calmar. Ce calmar, il a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il a un organe qui est situé par là, du côté de la tête, et dans cet organe, il y a, là encore, un microbiote qui est installé. Et ce microbiote a ceci de particulier que ce sont là encore un microbiote photosynthétique, c'est-à-dire qu'il est capable, pendant la journée lorsqu'il y a de la lumière, il est capable d'absorber les rayons lumineux et de les transformer la nuit en lumière. Donc ce sont comme des lucioles, sauf que c'est des bactéries et qu'ils ont ça dans un organe du côté de la tête. Alors l'intérêt, vous me direz, c'est quoi? Alors je ne sais pas, hein, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on dit, c'est que les calmars, c'est des êtres qui sont quand même assez vulnérables aux prédateurs, ils n'ont pas beaucoup de trucs de défense, et la façon et cette lumière les protège des prédateurs, parce que paraît-il les prédateurs qui viennent du dessous et qui ne sont pas plus malins que ça confondent la lumière qui est là, et c'est peut-être pour ça que la photo a été prise ici avec cette image là il y a ce reflet à la surface de l'eau qui fait croire aux prédateurs que c'est la lumière de la lune. Et donc, ils ne vont pas aller bouffer la lune, donc ils laissent tranquille le calmar. Pire, si on n'a pas le bon microbiote, ou quand le microbiote n'est pas comme il faut, eh bien, nous ne sommes plus en bonne santé. Et j'ai pris deux, trois exemples ici. Voilà ici la différence entre une souris normale et une souris obèse, comme vous voyez. Et la différence, c'est qu'on a modifié le microbiote de la souris obèse, et c'est seulement la modification du microbiote de la souris obèse qui a fait qu'elle est devenue obèse.
Et ce microbiote, il affecte, il nous prévient quand il est en bon état, il prévient des maladies comme l'obésité, comme le diabète, comme les maladies auto-immunes, comme les allergies, on y reviendra, et même, puisqu'il y a, et on parlait au début de cette interaction avec le cerveau, eh bien, il a aussi des effets majeurs au niveau du cerveau, et en particulier, il joue un rôle important dans les symptômes dépressifs. Donc, on a vraiment une relation qui est telle que nous avons autant besoin d'eux pour vivre en bonne santé qu'ils ont besoin de nous pour vivre. Donc maintenant, on se trouve avec un système immunitaire qui n'est plus dans une situation aussi simple que tout à l'heure. Parce que, sans doute, faut-il qu'il continue à nous protéger contre les pathogènes, parce que sinon, on mourrait comme des mouches à la première infection. Et de fait, il le fait. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas aussi un système de défense. Il faut qu'il fasse avec tous ces vivants qui nous habitent et qui nous constituent. Vous voyez bien quand même que ces histoires de soi et de non-soi, moi je veux bien, mais enfin, c'est un peu difficile de s'en tirer avec ça. Donc il ne faut ni les détruire pour ne pas perdre les bénéfices, ni réagir contre eux. Parce que sinon, on va faire des réactions inflammatoires qui seront épouvantables et qui vont avoir des effets absolument désastreux. Donc on va voir maintenant que mettre en œuvre une réponse immunitaire, ça va consister en, d'une part, s'adapter aux autres, et d'autre part, adapter les autres. Et c'est le chapitre suivant. Et j'ai mis adaptation réciproque, que je n'avais pas mis au début, au pluriel, parce que vous allez voir, finalement, on peut voir les choses à deux niveaux. Un premier niveau qui est relativement simple et classique, encore que les données que je vais vous montrer sont très récentes et nous apprennent des choses que je crois tout à fait importantes. Vous reconnaissez tous ici, vous savez bien que l'épidémie de Covid nous a montré les différentes vagues qui se sont succédées dans le monde. Et nous avons vu se succéder les variants qui sont apparus après la souche initiale, la souche historique de Wuhan. On a vu apparaître les variants Beta, puis Delta, puis Omicron. Et Omicron, il y en a beaucoup. Il y a BA1, BA2, BA4, BA5, puis dans BA2, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc que le virus s'est adapté, en particulier au système immunitaire des gens qui l'infectaient. Et on voit ici, si on augmente cette partie-là, la dernière partie qu'il y a là, c'est la rapidité extraordinaire avec laquelle BA4 et BA5 sont en train de prendre le dessus. Là, vous voyez, en quelques mois ici, par rapport à avant, il y a ces variants qui vont extrêmement vite. Ça, c'est un exemple remarquable de sélection naturelle. On avait l'habitude de penser la sélection naturelle comme quelque chose qui s'étend au cours de la phylogénèse, qui va durer des millions d'années. Mais au niveau d'êtres vivants ou assimilés qui se divisent, qui se reproduisent et qui donc mutent à une telle rapidité, eh bien on voit que des variants sont sélectionnés de plus en plus qui vont être capables d'infecter de mieux en mieux. C'est pour ça d'ailleurs que l'Omicron s'est tellement répandu et tellement vite parce qu'il infecte beaucoup mieux que les autres parce qu'il a muté de telle sorte qu'il s'infecte mieux. Ne pensez pas qu'il a muté pour s'infecter mieux. Non, il a muté et il se trouve que dedans, il y en avait qui infectaient mieux et qui donc ont été sélectionnés. C'est ça la sélection. Ça, c'est ce qui se passe. Donc la sélection naturelle d'un pathogène qui est le SARS-CoV-2. Est-ce que ça peut se passer chez l'homme? Ben oui. Là encore, on pensait que c'était quelque chose qui allait prendre des milliers et des milliers d'années pour se produire. Il y a un papier qui est tout à fait récent, puisqu'il a été publié au mois d'octobre, dans Nature, que je trouve tout à fait remarquable. C'est un travail maintenant qu'il y a des méthodes de séquençage de l'ADN, du paléo-séquençage, c'est-à-dire de l'ADN ancien, d'ADN qui n'est pas en bon état, qu'on ne savait pas bien faire avant. Eh bien, ce qu'a fait cette équipe, c'est qu'ils sont allés chercher dans des tombes, des fosses communes, dans des fosses communes qui ont été retrouvées, ils ont étudié deux endroits, à Londres d'une part et au Danemark d'autre part, et ils ont étudié des gens qui sont morts avant, pendant et après la peste noire du Moyen-Âge,
qui s'est étendu entre 1347, 1348, 1349. Et donc, ils ont gardé l'ADN de ces gens-là, et ils se sont rendus compte qu'il y avait, très rapidement, après la grande peste, il y a eu un groupe de gènes qui s'est trouvé surexprimé par rapport à ceux, par rapport au génome des gens qui étaient morts avant la grande peste. Autrement dit, en quelques générations, le génome humain s'est transformé sous l'effet d'un facteur sélectif extrêmement puissant, parce que quand même, la peste noire a tué entre 30 et 50% de la population en Europe, c'était majeur. Hein. Donc, le sous-effet de ce facteur de sélection très puissant, en quelques générations, des gènes ont été sélectionnés et il se trouve que ces gènes appartiennent à des gènes qui régulent les réponses immunitaires. Et ce qu'ont fait cette équipe, c'est qu'ils ont pris ces gènes mutés, ces gènes qui ont été sélectionnés, ils les ont exprimés dans des cellules humaines qui ne possédaient pas ces gènes et ils ont infecté avec le microbe de la peste. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ces gènes contribuaient davantage à la protection contre l'infection. Autrement dit, en quelques générations, l'homme s'est adapté aux microbes, en l'occurrence. Mais je voudrais maintenant parler d'un autre niveau de sélection, et là, il va falloir peut-être, je vais vous faire un tout petit peu de science, un tout petit peu plus bien. On va revenir à cette histoire de récepteur pour le stimulus. On va dire que donc, le système immunitaire peut voir des tas de choses. On l'appellera le répertoire cognitif, tout ce qu'il peut voir. Okay? Donc il comprend toutes les molécules, tous les morceaux de molécules, toutes les associations de molécules, peu importe, qui sont perçues par les récepteurs qu'il y a sur les lymphocytes. Okay? C'est une définition très globale. Donc on a ici le stimulus qui vient sur le récepteur, qui va envoyer un signal à l'intérieur du lymphocyte ici. Il se trouve que le répertoire des antigènes qui sont vus par les récepteurs de lymphocytes est immense. Et on va voir dans un instant pourquoi et comment est-ce qu'il peut être immense à ce point. Comment est-ce qu'il peut reconnaître à peu près tous les antigènes de la création, y compris ceux que l'homme n'a pas commencé à va synthétiser dans le futur et qui n'existent pas aujourd'hui. Nous avons déjà de quoi les reconnaître dans notre système immunitaire. Comment ceci est-il possible? Ça a été une question majeure pour les immunologistes énormément dans les années 70-80 qui les a empêchés de dormir beaucoup. Donc ce qui a été décrit et compris, c'est que ça se passe comme ça. C'est qu'il y a un système formidable qui est que, ici, ce sont donc des régions qu'on appelle variables parce que d'un lymphocyte à un autre, c'est différent. C'est ce qui permet de reconnaître des antigènes différents, chaque lymphocyte reconnaissant une chose différente. Comment est-ce que ceci est possible? Eh bien, ceci est possible parce que, en fait, ces régions variables sont codées non pas par un gène. D'ailleurs, la molécule entière n'est pas codée comme par deux gènes, pas par un seul gène, parce qu'il y a déjà un gène qui code pour ce qu'on appelle les régions constantes. Et puis, il y a ici trois groupes de gènes qui codent pour les régions variables. Il y a ici une quarantaine de gènes V, une vingtaine, une vingt-cinquaine de gènes D et six gènes J. Il va se produire dans chaque lymphocyte, avant la rencontre de toute chose, de tout antigène, chaque lymphocyte naïf, il va se passer que un gène V, un gène D et un gène J vont s'assembler et tous les autres gènes V, tous les autres gènes D et tous les autres gènes J sont détruits, sont perdus. Autrement dit, on va tirer au sort une association 1V, 1D, 1J, VDJ, à partir de 40 ou 50 gènes de V, plus 25 gènes D, plus 6 gènes J, et vous pouvez, si vous amusez à calculer le nombre de combinaisons possibles, c'est énorme. Donc, il y a un répertoire potentiel virtuel, qui est constitué par toutes les combinaisons de gènes variables qui vont fabriquer une association particulière, une combinaison particulière qui va pouvoir reconnaître un antigène donné. Et il se trouve que, une fois que ceci est fait, eh bien, ça va être exprimé sur une cellule, et tous les récepteurs qu'il y a sur cette cellule, j'en ai dessiné qu'un, mais il y en a beaucoup plus qu'un, ils ont tous la même structure, ils se reconnaissent tous la même chose. Donc un lymphocyte reconnaît un truc, point final. Okay? Et ce truc, il est dû à
une combinaison tirée au sort dans une énorme possibilité de combinaison, un grand nombre de combinaisons. Alors ceci définit ce qu'on appelle donc le répertoire potentiel. Maintenant, des lymphocytes, on n'en a pas un nombre infini. On en a un nombre. Et il est de l'ordre d'en gros 10 puissance 9, par exemple, pour les lymphocytes B-naïfs circulants. Chaque lymphocyte, je vous ai dit, exprime un récepteur différent. Puisqu'il y a eu, tiré au sort, un assemblage différent, puisque c'est tiré au sort, entre toutes ces combinaisons possibles. Donc ils vont avoir des couleurs différentes, c'est ce que je voulais dire, qu'ils vont être capables de reconnaître des antigènes différents. Et il y en a, et il va y en avoir autant qu'on a de lymphocytes disponibles, il ne peut pas y en avoir plus. Ce qui fait qu'on a un répertoire disponible, qui est bien entendu une fraction du répertoire potentiel, et ce répertoire disponible, il est là, et il attend que l'antigène arrive. Il n'a toujours pas vu l'antigène, et quand l'antigène arrive, eh bien l'antigène il va se fixer sur le récepteur, il va stimuler la cellule et il va la faire proliférer. Et comme toutes les cellules filles, elles ont perdu les autres gènes variables, et donc elles vont pouvoir que transmettre leur récepteur qu'elles ont. Elles vont fabriquer un clone de cellules qui reconnaissent toutes la même chose. Et quand un autre antigène arrive, il va y avoir un autre clone qui va là. De telle sorte qu'au total, on a un répertoire réel, un répertoire actualisé, un répertoire qui est en réalité la mémoire de notre histoire immunitaire, de ce qui s'est passé. Donc, trois niveaux de répertoire, potentiel, disponible et réel. Vous voyez en fait que les antigènes, ils interviennent très tard dans toute cette affaire-là. Et pendant longtemps, on a pensé que l'anticorps se moulait sur l'antigène. L'anticorps ne se moule pas sur l'antigène. L'antigène ne façonne pas l'anticorps. Par contre, l'antigène modèle le répertoire de l'ensemble, le répertoire cognitif du système immunitaire. De telle sorte que le système immunitaire n'est plus le même après la réponse. Il s'est adapté aux antigènes qu'il a rencontrés. Adapter les autres vivants. Adapter les autres vivants à nous-mêmes, à l'organisme. Ceci concerne évidemment la deuxième partie de la réponse. Stimulation, réponse. Je reste toujours à l'intérieur de mon cercle de départ. Alors qu'est-ce que c'est qui fait la réponse? La réponse, c'est essentiellement c'est des cellules et des molécules. C'est un répertoire fonctionnel qui va agir sur le stimulus. Je vous dis que la capacité, propriété du stimulus, c'est d'agir sur le stimulus. Comment il agit? Avec des cellules et avec des molécules qui sont fabriquées ou qui se différencient au cours de la réponse immunitaire. Des molécules, eh bien, il y en a de toutes sortes, des cytokines, des chimiokines, des facteurs de croissance, puis il y a des anticorps, évidemment. On dira peut-être un peu plus un mot d'anticorps après. Et puis il y a des cellules. Il y a beaucoup de cellules. Il y a toutes ces cellules myéloïdes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les lymphocytes qui se sont différenciés. Les lymphocytes T naïfs, ils sont devenus TH1, TH2, TH17, TH cytotoxique, T cytotoxique, etc. T régulateurs, etc. Les cellules B se différencient en cellules sécrétrices d'anticorps, qu'on appelle les plasmocytes. Et puis les cellules myéloïdes, elles sont prêtes à faire n'importe quoi. Et comme il se trouve qu'elles ont des récepteurs pour les anticorps à leur surface, eh bien, les anticorps vont pouvoir les enrôler dans l'immunité adaptative en leur disant, voilà, maintenant, tu vas travailler sur cette antigène que je te mets sur la tête, sur ton récepteur, tu vas pouvoir reconnaître cet antigène, et moi, je vais t'activer, et tu vas travailler. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le système immunitaire utilise les nombreuses activités biologiques de toutes ces cellules immunitaires qui leur permettent d'agir sur le stimulus à l'origine de la réponse. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, certaines leur disent, prolifère. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque les lymphocytes, qui sont peu nombreux au début, il y en a besoin qu'ils augmentent de taille pour pouvoir être assez nombreux pour agir sur l'antigène. D'autres leur disent phagocyte. J'aime beaucoup cette image, on a ici une cellule phagocytaire, c'est-à-dire un macrophage en particulier, qui est en train de détendre un gros pseudopode comme ça pour aller essayer d'attraper et de boulotter la bactérie qui est ici et l'internaliser et nous en débarrasser, on peut dire, ou s'en nourrir, ça dépend comment on voit les choses. Donc phagocyter, internaliser et donc détruire aussi. Ça permet à certaines cellules sont capables de tuer. Ce sont des cellules cytotoxiques qui tuent des cellules. Et ici, vous voyez une image d'une grosse cellule tumorale au centre
Et vous avez ici 4 lymphocytes qui vont s'apprêter à tuer cette cellule. Et elles vont le faire assez bien parce que assez rapidement, vous voyez que la cellule tumorale, elle a quand même une seule tête. Et les lymphocytes sont arrivés en masse pour y aller. Et au bout d'un moment, eh bien, la cellule, il n'y a plus que le squelette de la cellule. Et le lymphocyte, lui, continue à être en pleine forme et il s'apprête à aller attaquer une autre cellule tumorale pour la détruire. Et puis, dernier type d'activité, eh bien, c'est ce qui se passe, par exemple, dans l'allergie. Quand on a ces mastocytes, les basophiles font pareil, les mastocytes, ce sont des cellules qui sont bourrées de granules. Et dans les granules, il y a toutes les cochonneries qui vous rendent allergiques. Histamine, sérotonine, le machin, pas bon. Et donc, quand la cellule est activée, c'est magnifique au microscope, tous les granules qui étaient intracellulaires sortent de la cellule, et tout ce qu'il y avait dans les granules sort des granules. Et ceci va faire la réaction inflammatoire, la réaction allergique, qui est l'essentiel de, mais pas seulement. Donc je voudrais m'arrêter juste un instant ici, pour réfléchir une minute, et dire finalement, c'est intéressant parce que on voit que des répertoires cognitifs extrêmement vastes, desquels ne sont utilisés qu'une très petite partie, parce que le répertoire réel qui a été sélectionné par l'antigène, il n'a pas utilisé tout ce répertoire disponible qui était là, mais qui n'a pas vu d'antigène. Mais ils sont prêts, ils sont en attente, si je peux dire, si je ne voulais pas utiliser un langage qui soit finaliste. Donc ils sont en attente d'être actualisés en fonction de ce qui va se passer et qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire il est capable d'anticiper. Il est prêt à. Et il est prêt à faire cela, et l'antigène va arriver qui va sélectionner la cellule pour augmenter, faire produire des clones et faire des cellules qui vont agir. Et donc il y a cette sélection qui se passe, non pas au niveau de l'individu, ça n'est pas la sélection naturelle de Darwin, mais c'est une sélection darwinienne, c'est une sélection naturelle aussi, qui va agir au niveau de la cellule et non plus de l'organisme complet, et qui va faire en sorte qu'un répertoire va être sélectionné. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'au fond, avoir cette possibilité-là, eh bien, ça permet, en fait, d'agir tout de suite. D'agir chez le vivant lui-même, avant qu'il meure. La sélection naturelle, il faut mourir, il faut s'être reproduit avant, il faut avoir transmis, faut avoir eu des gènes commutés, il faut avoir transmis ces gènes mutés, il faut que ça ait atteint les cellules germinales, qui aient été transmis aux descendants, que les descendants lisaient les variations, puis dedans, il y en a qui vont mourir, pas mourir. La sélection naturelle, c'est quand même un coup, c'est un coup dans l'autre, c'est à longtemps, hein, c'est un pari sur l'avenir. Là, non, c'est tout de suite. Et plutôt qu'une réponse particulière, je crois que le cimetière peut mettre en ordre toutes sortes de réponses. Ah, et sûr, bien sûr, c'est comme ça que je définis, à peu près n'importe quoi, qu'il y ait ou pas, ici et maintenant, mais déjà demain. Je voudrais maintenant rentrer dans, mettre tout ça ensemble et essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre maintenant comment ça se passe une réponse immunitaire. Et je voudrais dans un premier temps vous montrer que l'immunité n'est pas un état. C'est un processus, c'est une relation. Je redémarre cette image que vous commencez à bien connaître, dans laquelle j'ai juste remplacé stimulus et immunitaire par immunisant et immunisé. En réalité, l'immunisant dans la vraie vie, c'est généralement vivant. C'est un virus, c'est une bactérie, c'est ce que vous voulez. Et quand ça stimule, quand ça immunise, quand ça stimule le cellule immunitaire va, on l'a dit, proliférer, les cellules qui vont être reconnaissables vont proliférer, se différencier, etc. Donc ça va modifier le système immunitaire qui va répondre sur l'immunisant. Mais l'immunisant en question, donc c'est un processus relationnel. Mais l'immunisant en question, donc il n'est pas passif, il mute. Tenez, voilà, regardez cette mutation là. Ah ben le système immunitaire va l'avoir, il va répondre, et il va muter à ce moment-là. Le système immunitaire à son tour va éventuellement voir cette mutation rouge, etc. Et ça n'en finit pas. Et ça continue. Et c'est comme ça, le SARS-CoV-2, le Omicron, le machin, etc. On y passe, hein, et on adapte le système immunitaire. Hein, et les vaccinateurs ne font pas autre chose qu'ils nous proposent aujourd'hui des vaccins qui sont un peu plus dirigés contre Omicron que le premier vaccin qui a été fabriqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une vaccination ? Dans une vaccination, c'est pareil, sauf que le vaccin stimule,
ceci produit un simulacre proximitaire qui répond. Il répond, mais il n'y a plus rien à répondre. Parce que le vaccin, on l'a retiré la seringue. Puis le vaccin, il n'est pas vivant. Donc il ne réagit pas, il ne répond pas. Donc ce qui se passe, c'est tout simplement que, en offrant donc un immunisant inerte, ou un morceau d'immunisant, ou un ADN qui code, ou un ARN, peu importe, qui code pour cette immunité, pour cette protéine qui immunise, un vaccin va tout simplement instituer, je vous ai dit tout à l'heure, l'équilibre, va tout simplement instituer un déséquilibre qui préexiste à la rencontre avec le pathogène. De telle sorte que quand le pathogène arrive, eh bien, le pathogène, il est déjà attendu. Et très rapidement, il peut être pris en charge. Sinon, on ne peut pas le stimuler et de stimuler encore la réponse et de faire en sorte que, après, même après, ça m'est arrivé, même après bien que j'ai été immunisé et le fait d'avoir eu un Covid là-dessus ne m'empêche pas d'avoir stimulé mon système immunitaire. Et on recommande aujourd'hui que ceux qui ont eu un Covid eh bien, ne se revaccinent pour une cinquième dose, par exemple, qu'au bout de 3 mois après avoir eu le Covid et 6 mois après une injection, une quatrième injection du vaccin. Donc l'immunité, finalement, ça n'est pas un état. C'est un processus. On parle d'immunité innée ou d'immunité acquise. Je dis non, elle n'est ni innée ni acquise parce qu'elle n'est jamais acquise. Elle n'est jamais acquise parce qu'elle est toujours en train de se faire. C'est un compromis qui est toujours renégocié. C'est un ajustement sans fin entre tous les protagonistes. Ceux qui sont en nous, on l'a vu tout à l'heure, les bactéries, les virus, les champignons, les archées, etc., dont on a vu, et je n'ai pas décrit à l'intérieur un certain nombre de systèmes particuliers qui permettent d'interagir avec les autres, y compris d'ailleurs les bactéries qui interagissent avec les virus, en particulier les bactériophages qui les infectent. Donc, ceux qui sont en nous, mais aussi nous, c'est-à-dire, ça c'est nous. Nous et eux, mais eux qui sont nous. Donc, ils interagissent avec nous, nous, et y compris d'ailleurs nos cellules tumorales. Et puis aussi, un compromis avec tous ceux qui sont hors de nous, ceux que nous rencontrons, ceux que nous respirons, ceux que nous attrapons dans le métro ou ailleurs, que ce soit des parasites, des virus, et on y reviendra, des allergènes. La dernière partie, il faut que je regarde quelle heure il est. Ça va. La dernière partie, je voudrais conclure sur la notion de maladie. Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qu'un pathogène? Donc on va démarrer en disant, nous vivons donc avec un grand nombre d'organismes vivants avec lesquels nous entretenons toutes sortes de relations. Nous hébergeons tous ceux dont on a déjà parlé, qui nous constituent et avec lesquels nous formons ce micro-organisme dont je vous ai parlé. Nous échangeons volontiers avec d'autres micro-organismes de notre reconnaissance, des virus, des bactéries, que nous voulons bien nous prêter les uns les autres. Nous accueillons aussi parfois des parasites, en particulier si on va dans certains pays, où on va attraper, par exemple, des helminthes, des amibes, des choses comme ça, qui vont s'installer dans notre tube digestif ou ailleurs, et qui seront capables de vivre très longtemps chez nous. Et comme c'est des parasites, eux, ils ont compris le truc. Le meilleur système pour eux, pour vivre le mieux, le plus tranquille, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas malades. Donc, le parasite, ce qu'il caractérise, c'est quand il nous infecte, il ne nous rend pas malades. Du moins, on va avoir un certain temps, du moins. Et c'est ça, un parasite, hein, c'est la capacité d'infecter sans produire de choses dramatiques. Et puis aussi, nous entrons en contact. Et j'utilise ces 3 mots exprès, nous touchons, nous inhalons, nous ingérons. Toutes sortes de moisissures, acariens, plantes, insectes, crustacés, mollusques, poissons, oiseaux, reptiles, mammifères, et toutes sortes d'autres êtres vivants qui portent ou qui libèrent des allergènes. Il faut donc faire avec tout ça, avec tout ce monde-là, et qui partage évidemment notre vie, plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins d'intimité. Donc si on les met tous ensemble comme ça dans cette grande liste, finalement on se rend compte que certains ne sont jamais pathogènes, ou rarement. D'autres sont toujours pathogènes, mais pas toujours. Et puis il y a des allergiques, mais tout le monde n'est pas allergique. Lesquels d'entre eux sont pathogènes? Et pourquoi le sont-ils?
Eh bien, la première chose, c'est que les pathogènes sont pathogènes, non pas parce que c'est des méchants qui nous veulent du mal. Ils sont des pathogènes parce qu'ils interfèrent avec des choses qui sont essentielles pour nous et que ça ne va pas quand ils interfèrent avec. Quand un virus pénètre dans une cellule et détourne l'activité, toute l'activité de synthèse de protéines de cette cellule pour fabriquer des molécules de virus au lieu de fabriquer des molécules de cellules, on peut comprendre que ça pose problème à la cellule et c'est pour ça qu'elle en meurt. Et qu'on fabrique des tonnes de virus qui vont sortir, etc. C'est ça l'infection virale. Donc, quand ils touchent à des choses qui sont nécessaires à notre vie, ça ne va pas, évidemment. Mais les pathogènes, ce n'est pas des tueurs. Les pathogènes, ils ne tuent pas pour tuer. Ils ne tuent même pas pour vivre. Ils tuent simplement parce qu'ils vivent. Les pathogènes, ils sont pathogènes aussi pour une autre raison. Ils sont pathogènes parce qu'ils appuient sur une réponse immunitaire qui elle-même peut être pathogène. Prenons un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome grippal? Qu'est-ce que c'est le SARS-CoV, le Covid au début? C'est de la fièvre, c'est des courbatures, c'est des douleurs musculaires. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont dus uniquement à la réponse immunitaire contre le virus. Pourquoi en fait là on a de la fièvre? Parce que la fièvre, c'est pas mal, parce que si on augmente notre température, eh bien, un grand nombre de virus sont thermosensibles et ils meurent au-delà de 37 degrés. Donc si on a 39, comme quand j'ai eu le Covid, les virus, ils n'aiment pas. Sauf qu'à 39, on n'est pas en forme. Et donc, l'essentiel de la maladie du début du Covid et du syndrome grippal et de beaucoup d'autres choses, c'est uniquement la réponse du système immunitaire. Donc il y a forcément une espèce de compromis qui doit s'établir entre la pathogénicité du pathogène et les réactions pathogènes du système immunitaire qui sont développées pour nous protéger contre le pathogène qui est pathogène. Vous voyez que là encore, on est dans une espèce des injonctions contradictoires. Il faut protéger suffisamment, mais pas trop, parce que si on protège trop, on va rendre malade. Donc, la pathogénicité, c'est à nouveau donc ce compromis. Et puis surtout, tous les pathogènes ne sont pas pathogènes. J'ai là, dans mon nez, des méningocoques, qui si on les sortait de mon nez et qu'on les donnait dans des conditions appropriées, c'est vrai, ne pas faire, mais à des enfants dans des conditions là, ils feraient peut-être des méningites purulentes. C'est-à-dire que je vis avec des pathogènes extrêmement virulents dans mon nez. Nous tous, nous avons du candida albicans sur la peau. On a toutes sortes de cochonneries avec lesquelles on vit très très bien. Mais rappelez-vous, l'épidémie de sida nous a appris quelque chose d'intéressant. Beaucoup de choses. De quoi mourraient les gens qui avaient le sida? On mourait de ce qu'on appelait des infections opportunistes. Qu'est-ce que c'est les infections opportunistes? C'est des infections qui sont dues aux commensaux avec lesquels, quand on n'est pas malade, on vit en bonne intelligence. Autrement dit, un commensal n'est commensal que parce qu'il est sous contrôle. Levez le contrôle et il devient pathogène. Et comme faisait remarquer Philippe Sansonetti, qui concluait sa leçon inaugurale au Collège de France sur les infections et les épidémies, il disait, ne vous inquiétez pas, lorsque nous cesserons de nous battre, les microbes s'occuperont de nous avec une grande efficacité et avec beaucoup de professionnalisme. Donc, le problème, c'est que, voilà, la maladie ou la mort, elle survient lorsque un compromis ne peut pas être ou ne peut plus être trouvé, qui soit acceptable pour les œufs. La maladie, c'est un problème de relation. Et vous savez, c'est un peu, quand je dis ne peut plus être trouvé, c'est un peu comme l'amour. Et pendant longtemps, on vit avec quelqu'un, c'est formidable, c'est magnifique, tout est y compris tout. Oh. T'as pas la lumière, peut-être que. Bon, c'est tellement charmant, c'est pas grave. Puis un beau jour, oh merde! C'est plus possible. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ce qu'on trouvait charmant devient insupportable.
Et à ce moment-là, la relation, elle s'est foutue. C'est foutu, c'est pas rattrapable. Il y a un moment où c'est plus rattrapable. Et quand c'est plus rattrapable, eh bien c'est la maladie. Alors je voudrais prendre quelques exemples pour terminer. Comment ça se passe une infection virale? Je remets l'image là comme ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'est-ce que c'est qu'une infection virale? Ça produit des réponses innées adaptatives de type 1, peu importe. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, mais qui ne sont pas exclusifs, parce que les uns peuvent se succéder aux autres. Premier cas, les réponses immunitaires tuent rapidement les cellules infectées, tout va bien, c'est une maladie, l'infection s'arrête, la maladie est aiguë, on est guéri en quelques temps, un équilibre s'est établi, on a une mémoire immunitaire, tout va bien, on est immunisé. C'est le Covid chez les enfants, qui ne se sont même pas rendus compte. Deuxième possibilité, pas si simple, ça a plus de mal à marcher, ça prend plus longtemps. Et finalement, ça finit par marcher. Mais bon, ça peut laisser des séquelles, parce que quand on tue des cellules infectées, on tue quand même des cellules. Si on tue des cellules, ça fait des dégâts quand même. Et si on a des dégâts, il faut les réparer. Si on les répare, il faut mettre par exemple de la réparation, du collagène, des cicatrices. Ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Mais bon, on s'en tire. Dans certains cas, on réussit à contrôler l'infection, mais on ne réussit pas à se débarrasser du microbe. Le microbe, il reste là. On vit avec. Soit il a injecté son ADN dans nos cellules, il persiste, etc. Soit il est là dans ton bus et il fait une inflammation chronique. Et la réponse, il essaie de le faire et ça fait de l'inflammation. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Il peut y avoir des bouffées. Ça peut se terminer en bien ou en mal. Puis la quatrième possibilité, c'est le cas, par exemple, d'une infection par le bacille tétanique. Vous n'êtes pas vacciné contre le bacille, vous chopez le bacille libère des quantités micro-chouillesques de toxines qui est tellement efficace et qui va tellement vite que vous mourrez avant que le système immunitaire ait le temps de faire des anticorps. Et c'est assez efficace, hein, le tétanos. Et pourtant, le système immunitaire est parfaitement capable de le contrôler puisqu'il y a peu de vaccinations qui soient aussi efficaces que la vaccination antitétanique. Donc si vous aviez donné, s'il avait eu le temps de faire les anticorps et faire tout ce qu'il faut, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, si on n'est pas vacciné, le bacille antitétanique, il est invivable. Le cancer. Le cancer, c'est un peu pareil. Il y a des réponses qui se mettent en marche, et là encore, il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a un monsieur qui s'appelle Robert Schreiber, aux États-Unis, qui avait décrit les 3 E. Ça m'énerve un peu, mais bon, c'est comme ça. Et je viens en rajouter un quatrième situation. Le premier E, c'est l'élimination. On est censé avoir une surveillance immunitaire, j'aime pas ce mot-là, mais peu importe, qui patrouille et qui va faire qu'elle va détecter dès qu'une cellule... Ah, toi, tu es une drôle de tronche, là. Hop, élimine. Et qui va se balader partout et réussir à voir n'importe quelle cellule immédiatement transformée, les déviants, là. Hein, les déviants, les pas comme tout le monde, là. Hop, à la trappe. Et ça marche très bien. Ça marche très bien en ce sens qu'on fait des cancers tous les jours, tout le temps. Sans arrêt, tout le temps. Probablement tout le temps. Mais on ne le sait pas, parce que le système immunitaire fait son travail et rien n'apparaît. Deuxième situation, l'équilibre. Ah, ils n'ont pas fait le travail au début. Pourquoi? J'en sais rien, c'est une bonne question. Mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas éliminé les choses. Donc la cellule tumorale, elle est là. Oui, mais pendant très longtemps, on va vivre avec eux. Sans qu'elle s'exprime, sans qu'on le sache. Et si je dois mourir un jour d'un cancer, il est extrêmement probable qu'à mon âge, j'ai déjà des cellules tumorales qui me tuent. Mais, so far, so good, merci, ça va très bien pour l'instant. Donc, les cellules ne se développent pas parce qu'elles sont sous contrôle. La relation fait en sorte que le compromis peut être trouvé. Et puis, l'évasion. Et là, c'est l'histoire où l'amour s'arrête. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, les mécanismes régulateurs qui l'empêchent, les réponses immunitaires de tuer les cellules tumorales, ne le font plus et le cancer se met à s'exprimer cliniquement et c'est souvent le début de la fin. C'est le début de la fin, mais quand même, il y a cette dernière situation, les nouvelles immunothérapies du cancer, on a déjà parlé des inhibiteurs de checkpoint et des inhibiteurs de contrôle immunitaire. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font ces traitements? Eh bien, ils empêchent les cellules qui régulent la réponse de réguler. C'est-à-dire que
En réalité, j'aime pas utiliser des métaphores, mais quand même, imaginez que vous êtes sur une autoroute, vous êtes en voiture, vous voulez doubler Samuel, vous accélérez, et ça, vous n'arrivez pas à le doubler Samuel. Vous n'êtes pas rendu compte, parce que tout simplement, vous ignorez qu'il n'y a pas un accélérateur et un frein, il y a aussi un frein à main. Et ce frein à main, vous ne savez pas qu'il existe. Et vous savez encore moins qu'il est serré. Le jour où Tatsuku Honjo et James Allison comprennent ça, et font les expériences qui montrent que quand on baisse le frein à main, alors à ce moment-là, il suffit d'accélérer et tout va bien, eh bien on comprend que si on lève les inhibitions qui contrôlent les réponses antitumorales, et bien les réponses antitumorales vont pouvoir donner tout leur maximum et nous débarrasser de la tumeur. Et effectivement, c'est une véritable révolution en oncologie ou en immuno-oncologie aujourd'hui. Ceci dit, et ceci est intéressant par rapport à notre propos, un traitement comme celui-là n'est pas sans effet secondaire. Et un des effets secondaires, c'est qu'on voit apparaître des maladies auto-immunes. Autrement dit, quand on a levé le frein, on a libéré l'immunité anti-cancer. Great, super. Mais on a aussi libéré l'immunité anti-soi. Et on se met à faire des maladies. Dernier truc, et je voudrais, là je pense que je prends un petit peu trop de temps, les allergies. Moi j'adore les allergies. Pourquoi j'adore les allergies? Parce que c'est quand même un paradoxe. Je l'ai déjà dit tout à l'heure au début, mais les allergènes, sauf exception, c'est pas toxique. Poil de chat, bien. Enfin, si vous voulez assassiner quelqu'un en poil de chat, il faut avoir le bonheur. Qu'est-ce qui est toxique dans les allergies? Qu'est-ce qui est pathogène? La seule chose qui est pathogène, c'est la réponse immunitaire. C'est-à-dire toute la pathologie qui est due à la pathologie allergique, c'est la réponse immunitaire et rien qu'elle. Comment on peut expliquer ça? Alors on peut expliquer en disant que les allergènes ne sont pas vivants. Les allergènes ne sont pas vivants, du poil de chat, tout ça, c'est toujours des trucs, c'est pas comme quelque chose qui va se développer, comme une cellule tumorale ou comme un virus. Et c'est quelque chose qui ne sont pas vivants, en réalité, j'ai dit tout à l'heure, nous touchons, nous inhalons ou nous ingérons. Ça veut dire quoi, nous touchons, nous inhalons? Nous touchons avec notre peau. Notre peau, c'est un épithélium. Nous inhalons, c'est-à-dire que ça va dans les poumons. Là, ce qui tapisse les poumons, c'est un épithélium. Nous mangeons, ce qui tapisse la muqueuse digestive, c'est un épithélium. Donc en réalité, une réponse allergique commence par une interaction entre un allergène et des cellules épithéliales. Il se trouve que les cellules épithéliales, lorsqu'elles sont stimulées comme ça, elles vont fabriquer des cytokines qui vont orienter la réponse immunitaire vers ce qu'on appelle une réponse TH2, je ne vous explique pas, mais ce n'est pas grave, c'est une réponse qui va faire l'allergie. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Alors, la chose intéressante, c'est que ces réponses, elles sont contrôlées non pas par le système immunitaire, mais elles sont contrôlées par les micro-organismes. Je m'explique. Ceci est une muqueuse intestinale, avec l'épithélium ici. La lumière de l'épithélium, là où ça passe en transit, et là, c'est ce qui est en dessous, et tout ça. C'est bourré de bactéries. On a dit tout à l'heure qu'il y en a des tonnes. Ces bactéries jouent un rôle important dans notre digestion, vont digérer en particulier un certain nombre de fibres. On a dit tout à l'heure la cellulose, mais aussi on ne sait pas digérer. Nous non plus, on est comme les vaches, hein. On ne pourrait pas manger de la salade sans notre microbiote. On n'est pas capable de digérer la salade, hein. N'oublions pas ni les poireaux. Donc, ici, lorsque les bactéries mangent ces choses-là, digèrent ces choses-là, ils vont fabriquer ces petites molécules qu'on appelle des acides gras à courte chaîne. Short chain fatty acids. Et ces acides gras à courte chaîne sont des petites molécules qui vont passer dans le sang. Elles vont passer dans le sang. Dans le sang, elles vont aller être embarquées et atteindre tout l'organisme. Et elles vont passer, entre autres, dans la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est là que sont fabriquées toutes les cellules immunitaires. Et les cellules du sang, les globules rouges et tout le reste. Hein. Mais quand elles sont là, elles vont modifier l'hématopoïèse, c'est-à-dire elles vont modifier la fabrication des cellules du sang et des cellules immunitaires.
Et en particulier, elles vont agir sur des cellules dont je ne vous ai pas parlé, qui sont des cellules dendritiques, qui jouent un rôle très important pour démarrer une réponse immunitaire. Et lorsque ces cellules ont été modifiées par les acides gras à chaîne courte ici, elles vont aller s'installer dans les organes, en particulier dans les poumons. Et quand elles sont dans les poumons, elles vont empêcher le système immunitaire d'aller fabriquer précisément de ces réponses, qui sont des réponses TH2, qui sont des réponses allergiques. Autrement dit, c'est quand même un truc qui a été découvert très récemment. C'est quelque chose qui nous montre que ce qui se passe dans notre intestin affecte ce qui se passe dans nos poumons, et on comprend pourquoi ça affecte aussi ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe partout ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça maintenant ? C'est intéressant parce que donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette réaction-là ? Eh bien, le résultat c'est ça, c'est qu'on peut vivre non seulement avec les microbes, mais aussi avec les allergènes. Alors comment est-ce que ça se passe et pourquoi pas tout le monde ? Eh bien parce que le microbiote est façonné au tout début de la vie. Et il est façonné par toute la façon de vivre, la façon de naître. Si l'on naît par césarienne ou par les voies naturelles, eh bien nous ne sommes pas exposés aux mêmes microbes. Si on voit par voie naturelle, eh bien on va acquérir notre microbiote au moment de la naissance. Sinon, quand on est dans une salle d'opération, on n'est pas exposé aux microbes. C'est stérile. Ça dépend de la façon dont on est nourri. Parce que ce qu'il y a dans le lait maternel joue des rôles très importants, on va le voir dans un instant. Alors que ça n'est pas évidemment dans le biberon. Ça dépend de ce qu'on a comme traitement, en particulier au début de la vie, et vous allez voir pourquoi, en particulier des antibiotiques. Alors rappelez-vous, non rappelez-vous pas, mais sachez que quand des pédiatres américains reçoivent des gamins pour une otite, 85% des ordonnances ont des antibiotiques. Donc ils vont avoir des traitements antibiotiques extrêmement fréquents chez les tout petits. Ça dépend du fait qu'on vit à la ferme ou pas à la ferme, mais si on vit à la ferme, si on vit à proximité des animaux ou pas. Et ça dépend enfin de sa place dans la fratrie. Parce que si quand on est, on a déjà une ribambelle de grands frères ou grandes sœurs qui vont à l'école et qui ramènent à la maison toutes les cochonneries qu'elles ont ramassées à l'école ou à la crèche, eh bien c'est pas pareil que si on est le premier-né et on n'est pas exposé à ces choses-là quand on est petit. Et pourquoi est-ce que c'est important, je veux dire, quand on est petit ? Parce que je voudrais vous montrer trois expériences, et je terminerai là. C'est une expérience que j'aime beaucoup, qui a été fabriquée, en fait, qui a été publiée il y a déjà 10 ans. C'est à partir du moment où on a su séquencer, le séquençage à haut débit est devenu très accessible, on peut prendre tout ce qu'il y a dans l'intestin d'une souris ou d'un homme, et séquencer tous les ADN qu'il y a, et puis ensuite s'y retrouver et ranger tout ça. Et là, voilà toutes les bactéries, toutes les sortes de bactéries qu'on peut identifier dans chacune de ces souris, chaque barre est une souris qui est au tout début de sa vie. Ces souris, on va certaines les immuniser, d'autres pas, peu importe pour l'instant. Mais surtout, on va les traiter avec un antibiotique qui est un peu connu, qui s'appelle la vancomycine, pendant la première semaine de la vie. Traitement antibiotique d'une semaine pendant la première semaine de la vie. Résultat des courses, il y a beaucoup moins de bactéries dans l'intestin, ça c'est la différence a l'air importante, mais c'est une échelle logarithmique ici, donc c'est important. Mais c'est encore plus important, regardez la diversité. C'est-à-dire, on parle de biodiversité et de choses comme ça, mais regardez la diversité là, des bactéries. On a perdu énormément de souches. Il n'en reste plus que quelques-unes qui ont remplacé les autres. On a fait ça, on est intéressé, on est content, et on va laisser les souris grandir. Et lorsqu'elles sont adultes, on va, surtout celles qui ont été immunisées, on va aller leur donner l'antigène et voir ce qui se passe. On trouve qu'elles font plus d'IgE, c'est-à-dire les anticorps qui sont responsables de l'allergie, que les autres. On trouve qu'elles ont des poumons qui ont beaucoup plus de mal à respirer, c'est-à-dire qu'il y a une réactivité, une difficulté à respirer qui est beaucoup plus importante sur des souris qui ont bu la vancomycine. Et si on leur met de l'antigène dans les trous de nez, on regarde leurs poumons et plus c'est rouge, plus il y a d'inflammation. Vous voyez, dans tous les cas, le fait d'avoir eu un traitement antibiotique pendant la première semaine de la vie, à l'âge adulte, ça se traduit par tous des signes qui sont associés à l'allergie. Et effectivement, si on prend des souris germ-free, celles qui sont nées par césarienne, qui sont
née par césarienne, dans des conditions stériles, élevée dans des conditions stériles, dans des cages stériles, nourrie avec de la nourriture stérile, avec de l'eau stérile, etc. Et bien on les laisse grandir et on se rend compte que leur système immunitaire il est très bizarre, il ne se développe pas correctement. Et puis quand elles sont adultes, elles ont beaucoup plus d'IgE que les autres de ces souris qui fabriquent, qui sont responsables de l'allergie. Et elles sont hypersensibles aux réactions d'anaphylaxis et d'allergie expérimentale grave. Si on prend ces souris et qu'on reconstitue leur flore intestinale, c'est-à-dire que là, dans cette période précoce, on leur injecte une flore normale, prise d'une souris normale. Et bien on se rend compte que quand elles sont adultes, elles sont comme les normaux. Il n'y a plus d'hypersensibilité, il n'y a plus d'IgE. Si on leur injecte une flore, mais cette flore qui a été altérée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un traitement antibiotique, on ne corrige plus de défaut. Et si enfin, on leur injecte une flore parfaitement normale, mais au-delà d'un certain temps, on ne répare pas le problème. Autrement dit, il y a une fenêtre de tir. Il y a une fenêtre néonatale pour laquelle le système immunitaire peut être éduqué par les microbes intestinaux. Et si c'est trop, si on attend trop, ça ne marche plus. Et la dernière expérience que je voudrais vous montrer, c'est cela. C'est dans une souris normale. Il y a un microbiote normal. Il y a une réponse immunitaire. C'est normal contre des microbes. Mais cette réponse, elle est contrôlée par des facteurs immunosuppressifs qu'il y a dans le lait maternel. La souris cesse d'être nourrie par sa mère. Et elle commence à manger de la nourriture, qui bien entendu n'est pas stérile. Donc il y a un grand nombre de bactéries qui se colonisent dans l'intestin à ce moment-là, dans le tube digestif. Et là, ça induit une réponse immunitaire puissante, qui on appelle la réponse de sevrage. Mais il se trouve qu'il y a des T-régulateurs, vous vous rappelez, je vous ai rappelé tout à l'heure, de ces cellules qui règlent la réponse à différents checkpoints, donc des T-régulateurs qui ramènent tout cela à un niveau tel qu'il n'y a pas une réaction inflammatoire majeure, et la beauté du système est encore le mystère, parce qu'on ne sait pas comment ça se fait, eh bien ce processus va durer toute la vie. C'est-à-dire que quand on est adulte, lorsque notre système immunitaire a été éduqué de cette façon-là, eh bien lorsqu'on est adulte, eh bien on est protégé contre tout cela. De telle sorte que les allergies de l'adulte résultent donc d'une absence de maturation du système immunitaire par le microbiote au cours des tout premiers mois. L'allergie, finalement, c'est la conséquence d'un rendez-vous manqué avec les microbes dans la petite enfance. Alors, pour conclure, la vie avec les autres, c'est pas un long fleuve tranquille, et c'est pas la guerre non plus. C'est inévitable et c'est nécessaire. C'est inévitable parce que nous sommes des chimères. C'est nécessaire parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et c'est ça que permet le système immunitaire. C'est-à-dire que, en nous adaptant à eux, les adapter à nous. On était parti d'une idée d'un système immunitaire qui nous protégeait contre les autres. Nous arrivons à cette idée d'un système immunitaire qui nous permet de vivre avec les autres. L'accommodation réciproque qui résulte de ce compromis n'est pas l'immunité des origines, ce n'est pas l'immunité dirigée contre, pas des anticorps, des cellules tueuses, des cellules déviantes, de l'autodéfense, etc. Non, même si ça permet de nous protéger aussi, mais ce n'est pas toujours une immunité protectrice parce que parfois, eh bien, ça nous rend malade. Et quand ça nous rend malade, c'est parce que le compromis qu'elle essaye, qu'elle tente à établir, eh bien, ça ne marche pas. Il n'est pas trouvé. Mais elle permet de vivre avec les autres. Et donc, ma conclusion, ce sera que plus qu'une protection, l'immunité est une condition d'existence. Sans cela, nous ne pourrions pas exister avec tous ces autres qui sont nous. Donc, oui, c'est un système de défense, mais c'est surtout quelque chose qui nous permet tout simplement de vivre. Merci. Alors merci Marc, c'était vraiment passionnant et je pense qu'il va y avoir des questions. Moi j'aurais déjà une petite question, mais est-ce que pour synthétiser, alors la synthèse est toujours dangereuse,
On pourrait considérer que notre système immunitaire est comme la résultante d'une complexité biologique construite à travers le temps et à travers le tissu des interactions avec lui-même et autrui. Oui. Qui serait une façon de synthétiser... Il n'y a pas que le système immunitaire. Oui, non, et là c'est parce qu'on parlait du système immunitaire. Et, oui, effectivement. Il n'échappe pas, c'est vrai. Tout ce que tu viens de dire est probablement vrai pour... Pour tous les systèmes. Et c'est en ce sens d'ailleurs justement que c'est important de comprendre l'allergie, parce que à l'intérieur de ça, voilà, ça ne rentre pas dans les cases. Et donc il faut bien trouver quelque chose, il faut comprendre comment est-ce que ceci peut être fait. Mais le système immunitaire, oui, bon, ça a été sélectionné comme ça. Et c'est clair que nos systèmes immunitaires est très différent dans les différentes espèces. D'abord, on est très différent, on ne peut pas faire la même chose, mais aussi on n'est pas soumis aux mêmes pressions sélectives. Et puis alors, j'ai une question mais tellement basique que je m'en excuse par avance, mais je passe mon temps à le dire, il n'y a pas de mauvaise question, je vais essayer de me l'appliquer. L'arché, je vois tout à fait ce que c'est en philosophie, mais est-ce que tu pourrais le définir en biologie? L'arché. Oui, alors en philo je vois, mais là en biologie, alors, effectivement. Oui, non, ça n'a pas du tout de sens. Oui, je me doute. Non. L'arché, c'est. Les archées, c'est. Vous savez, avant on avait je ne sais plus combien de règnes, et maintenant il n'y a plus de règnes. Alors là, je sors de mes zones de compétences précises, là, je vais juste dire des bêtises, mais il n'y a plus que des cellules, des eucaryotes, je pense, et des non-eucaryotes. Et les non-eucaryotes, il y a. Des bactéries et des archées. Et la différence, elle est, entre autres, que le système, les archées ont quelque chose qui ressemble à un noyau, alors que les bactéries n'en ont pas, et le système qu'utilisent les archées pour fabriquer des protéines, c'est un système qui ressemble à celui des cellules eucaryotes, alors que les systèmes pour fabriquer des protéines sont particuliers aux bactéries. Donc c'est une différence qui est assez subtile et qui porte essentiellement sur la façon d'utiliser le génome. La machinerie qui permet d'utiliser le génome. Merci. Alors, je laisse la parole à la salle. Est-ce que vous avez d'autres explications pour... Il me semble qu'il y a de plus en plus de maladies allergiques et de maladies auto-immunes. Est-ce que ce serait juste une question d'immunité, d'antibiothérapie trop précoce, des perturbateurs comme ça? Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont reconnus? Alors, deux choses. Premièrement, tout ne appuyez sur le bouton, ce que je vous ai raconté. Et il y a évidemment d'autres choses. Tout ne se réduit pas à ce que je vous ai raconté. Il y a d'autres facteurs qui jouent dans le déclenchement des allergies qui sont aggravantes. Enfin, là, c'était vraiment une espèce de point de départ qui est quelque chose d'important. Mais en même temps, l'autre chose, c'est que les choses que je vous ai racontées sont très fortement associées à la vie, au mode de vie occidental. Et il y a eu une histoire qui est absolument magnifique, c'est celle de l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne donc a longtemps vécu un pays dans lequel se sont joyeusement mêlés les gènes des Goths, des Vésicaux, des Francs, des Lins, de tout ce que vous voulez, et ça a fabriqué un pays avec la diversité génétique que vous voulez. Et puis, fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la séparation du monde en deux, le monde occidental, pardon, de ce côté-là, et le monde soviétique de l'autre côté. Ce qui a été intéressant, c'est que, je ne sais pas qui a eu cette observation initialement, mais un jour, on s'est rendu compte que, alors que ça faisait déjà un moment que le rideau de fer existait, eh bien, on s'est rendu compte que, regardez la fréquence des allergies dans les deux Allemagnes. Et dans des conditions justement dans lesquelles il n'y a pas de différence génétique possible, eh bien on s'est rendu compte que la fréquence des allergies était bien inférieure à l'Est qu'à l'Ouest. Et ça, ça a été surprenant parce qu'on disait par exemple, un des facteurs majeurs, c'est la pollution. Je ne sais pas, moi j'ai eu la chance d'aller à Budapest avant la chute du mur, je peux vous dire que la pollution, c'était pas rien. L'alimentation aussi, non? Pardon? C'est peut-être l'alimentation.
Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses. Par contre, effectivement, il y a la mode de vie, il y a l'alimentation, il y a le fait de la vie plus ou moins rurale, plus ou moins urbaine, le fait de... Il y a des tas de facteurs. Et l'alimentation, bien entendu. Mais la chose intéressante, c'est que, comme vous savez, en novembre 1989, il y a eu la chute du mur. Et donc, il y a eu réunification de l'Allemagne. Et ceux d'entre vous qui ont vu le magnifique film qui s'appelle Goodbye Lénine, oui. Savent de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on a adopté? Est-ce que c'est l'Allemagne de l'Est qui a adopté le mode de vie de l'Ouest ou est-ce que c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a adopté le mode de vie de l'Est? Évidemment, on sait que c'est l'Allemagne de l'Est qui a adopté le mode de vie de l'Ouest. Et là, en quelques années, l'Allemagne de l'Est a rattrapé complètement l'Allemagne de l'Ouest en ce qui concerne la fréquence des allergies et a continué d'augmenter, puisqu'effectivement, dans les mondes occidentaux, les allergies ont continué d'augmenter. Vous dites les mondes occidentaux, mais en Asie, par exemple, il y a moins d'allergies? Alors, il y a à la fois moins d'allergies, le maximum c'est effectivement, c'est le monde développé occidental, et il y a des pôles qui sont très très étonnants. Il y a un gradient, même en Europe par exemple, il y a un gradient est-ouest. Plus à l'ouest, moins à l'est. Il y a un gradient nord-sud. Plus au nord, moins au sud. Le pire du pire, c'est en Australie, en particulier, les Anglais qui sont allés habiter en Australie. Les mouvements de population qui sont allés des pays pauvres dans les pays riches ont montré que ces gens partaient de chez eux avec des fréquences d'allergies faibles et en quelques années, quand ils arrivaient dans les pays riches, ils attrapaient des allergies. Et il est certain que j'ai décrit les facteurs que j'ai décrits tout à l'heure. Il y a dedans l'alimentation, mais pas que. Effectivement, les traitements antibiotiques, la prévention d'un certain nombre de maladies, moi je ne sais pas, quand j'étais petit, quand j'allais en vacances, j'aimais bien aller à la ferme et boire du lait cru. C'est plus possible aujourd'hui, vous n'aurez plus beaucoup de fromage avec du lait non pasteurisé dans pas très longtemps, je pense, je ne sais pas s'il y aura toujours dans le supermarché, on peut toujours avoir du bon fromage, mais quand même. Donc il y a effectivement des modifications, on vit pas de la même façon, et bien entendu, les gens sont en train d'essayer d'étudier ce qu'il y a des trucs beaucoup plus importants que d'autres, mais d'une façon générale, tous ces facteurs jouent ensemble et jouent dans le même sens. Oui. Donc effectivement, il y a une augmentation. Mais il n'y a pas seulement une augmentation de la vie, il y a une augmentation des maladies auto-immunes en général, une augmentation de l'obésité, une augmentation d'un certain nombre d'autres pathologies qui vont dans le même sens. Si je puis me permettre, Madame Robin, qui est venue ici exposer son livre qui s'appelle « La fabrique des pandémies », avait repris cet exemple-là et donné l'explication qui était la baisse de la biodiversité, ou plutôt dans les pays de l'Est, il y avait une plus grande biodiversité, puisqu'il y avait moins la modernité, dans ce que nous appelons la modernité, ce qui explique effectivement que le système immunitaire était moins riche. C'est l'explication qu'elle avait donnée. Oui, les termes riche, pas riche, je ne sais pas, ça tout de suite des notions de bien, de mal, je ne sais pas quoi. Mais oui, toutes ces choses-là vont dans le même sens. Par ailleurs, chez des gens qui ont déjà tout ce qu'il faut pour être allergique, ils ne le sont pas forcément jusqu'au moment où il y a tel ou tel facteur déclenchant, ils font des cigarettes, c'est machin. C'est pas ça qui va vous rendre allergique, mais c'est ça qui va aggraver encore les choses, le fait de vivre. Le fait de vivre, au lieu d'aller jouer dans la rue ou dans les champs quand on est gamin, passer ses journées allongées sur la moquette gourée d'acariens en train de faire marcher des jeux électroniques, dans une pièce avec qui est fermée parce qu'il y a le chauffage, c'est clair qu'on a tout ce qu'il faut pour faire de l'allergie. Mmh. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, je vais demander est-ce que l'histoire des allergènes, en fait, des allergies, est-ce qu'on sait comment ça se passait, les allergies? Bon, ça revient un peu loin, mais à la préhistoire, au cours de l'histoire, les allergies, est-ce qu'on était allergique aux mêmes choses, par exemple, comment dire, à la préhistoire aujourd'hui? J'imagine que non, mais. Je suis sûr de comprendre la question, c'est par rapport à l'histoire, mais à l'histoire de... Est-ce que l'allergie de la cacahuète... C'est-à-dire l'histoire humaine, pas l'histoire individuelle. Oui, oui, voilà, l'histoire humaine. Donc, l'allergie, ça remonte à la nuit des temps. Il y a plusieurs choses.
bon, on rapporte des tas de trucs qui ressemblent à l'allergie, c'est plus ou moins vrai. Je ne sais plus quel roi égyptien, qui avait un nom pas possible, était censé être allergique à l'hippopotame, je crois. Ce qui est extrêmement peu probable, et semblerait en fait qu'il a été piqué par une guêpe, ou je ne sais pas quoi, et que ça s'est mal passé. Mais, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas d'histoires d'allergie depuis tout le temps. Certaines sont avérées, d'autres sont loin d'être avérées, c'est difficile de faire le tri, mais l'allergie n'est pas une maladie moderne, ça a toujours existé. La fréquence des allergies, néanmoins, augmente beaucoup. Par ailleurs aussi, les modes de vie font aussi que on vit aussi dans des conditions telles que... On a beaucoup dit en ce qui concerne les histoires de l'Allemagne de l'Est ou pas, dans certains pays, on s'intéresse, on fait plus attention aux allergies, et dans d'autres, on fait moins attention, peut-être parce qu'il y a des problèmes plus importants qui font que ça, que l'allergie, c'est un peu, c'est pas trop problème. Dans certains pays où il y a des parasitoses qui sont majeures, par exemple, l'allergie, c'est quand même pas un problème au premier plan de la vie. Donc je pense que il y a des tas de raisons qui font que, pendant longtemps, on a pu aussi sous-estimer la fréquence des allergies. Il reste néanmoins qu'elles augmentent depuis un demi-siècle, c'est clair. Mais ça n'est pas quelque chose qui est apparu récemment. C'est quelque chose qui a, semble-t-il, toujours existé. Et, excusez-moi, le fait que nous soyons devenus capables, nous, de digérer le lait, bien, puisque on explique que certains ethnies sont encore incapables, devenus adultes, pour les enfants, oui, incapables de digérer le lait. Est-ce que c'est un même phénomène de, donc là, de rejet immunitaire ou bien la digestion du lait? La capacité de digérer du lait, c'est quelque chose qui a été acquis au cours de l'évolution. Je ne sais plus chez quel type d'homo, je ne sais pas quoi, mais au début, on était tout à fait pas capable de digérer du lait. Pourquoi vous avez du fromage? Voilà, probablement, et ceux qui faisaient du fromage, ça a dû sélectionner aussi la capacité de vivre sur du lait. Donc, oui. Non, c'est parce qu'on avait une aparté tout à l'heure, sur le camembert. Oui, donc, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Oui, c'est donc quelque chose qui est acquis, effectivement, également. Donc, si je comprends bien, le lait était rejeté par le système immunitaire. Bien, et il a été. Non, pas peut-être pas rejeté par le cimetière. Simplement, quand on buvait du lait, on dit du lait. Et donc, on ne se pouvait pas se nourrir avec, parce qu'on ne savait pas digérer. D'accord. Je veux dire, il y a des tas de raisons simples qui font qu'on ne peut pas se nourrir avec le lait, puis d'un seul coup, on se met à pouvoir être derrière. Et puis en même temps, maintenant qu'on peut manger du lait, il y a des gens qui deviennent allergiques. Sans doute qu'avant, quand on ne pouvait pas manger du lait, il n'y avait sans doute pas beaucoup d'allergiques au lait. D'accord. Je dirais un peu. Là, juste un tout petit aparté, j'en profite, parce que c'est puisqu'on parle de lait et d'intolérance, en fait. Je crois qu'il faut vraiment distinguer les intolérances alimentaires et les allergies alimentaires. Les intolérances alimentaires, c'est très particulier, et c'est pas un mécanisme allergique. Certaines, c'est, comme j'ai dit, on ne sait pas digérer, alors on vomit, on n'est pas capable de digérer. D'autres choses, c'est qu'on est intolérant, et que ça va induire, enfin, c'est le mot d'ailleurs est mal choisi. Je pense en particulier au gluten, parce que tout le monde a entendu parler de gluten, Tout le monde est allergique au gluten. Ma réponse est simple, personne n'est allergique au gluten. Parce qu'on n'est jamais allergique au gluten. Quand on est malade parce qu'on mange du gluten, c'est parce qu'on a induit une réponse immunitaire contre le gluten qui va avoir une réactivité croisée et faire une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'on a une réaction anti-gluten qui va agir, qui va reconnaître par erreur hein, des cellules du soi, hein, pour reprendre ce truc-là, et donc c'est une maladie auto-immunitaire, l'intolérance au gluten, c'est pas une allergie. Hein. Et les intolérances toutes simples, il y a des intolérances, on ne peut pas, on ne sait rien, il y a des trucs qu'on n'aime pas manger, qu'on ne sait pas manger, des trucs qui ont envie de vomir, et on ne les garde pas. Donc attention à pas tout mélanger, parce que vous entendez tellement de gens vous parler d'allergie au gluten. Merci. Fred. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Merci pour votre travail. Oui, merci. C'est une reconnaissance commune, du coup, et un travail collectif. Je n'avais pas une question, mais plutôt un témoignage. Moi, j'ai fait un lymphome qui était fortement récidivant, et pour cause, puisque la cause de mon cancer, c'était mes lymphocytes, justement. Mais lymphocytes. La faune, c'est par définition une tumeur qui affecte des lymphocytes. Ils se multipliaient en
grande quantité dans des ganglions qui grossissaient et qui écrasaient mes organes. Et en fait, on a trouvé la solution en modifiant génétiquement mes lymphocytes T pour qu'ils puissent identifier les. Donc on va trouver un traitement très nouveau voilà, qui s'appelle les CAR T-cells, les cellules CAR. Chimeric antigen receptor T-cells, c'est-à-dire qu'on fabrique, on donne aux lymphocytes T un récepteur artificiel fabriqué en laboratoire et qu'on introduit dans les lymphocytes T du patient, qu'on fait proliférer les lymphocytes et on réinjecte ces cellules, je l'explique pour les gens qui ne sont pas familiers, et on réinjecte ces cellules que le patient n'avait pas et qui donc ont un récepteur fabriqué dirigé contre le lymphome, contre le cancer. Alors, c'est pas seulement, c'est surtout effectivement des lymphomes qui sont utilisés pour ça. Et c'est dirigé contre ces cellules tumorales et donc les cellules tueuses cytotoxiques sont capables de détruire les cellules cancéreuses. Mais ça a été des lymphocytes bidouillés en laboratoire. C'est formidable comme technologie. Mais justement, ça va justement pas être l'un des avenirs du cancer. On sait que ça fonctionne très bien sur les cancers liquides. Il y a 90% de rémission dans le cas des cancers liquides, mais ça n'a fait que 20% de succès contre les cancers solides. Est-ce que par la suite, on ne va pas continuer cette recherche pour essayer de franchir bien la barrière? Les gens qui travaillent là-dessus travaillent comme des malades pour répondre à cette question, bien sûr. Mais de la même façon, d'ailleurs. Les inhibiteurs de checkpoint, les inhibiteurs de contrôle immunitaire, qui ne traitent pas du tout la même chose et pas du tout la même façon, ils ne marchent que dans un pourcent, d'abord que dans certains cancers et pas du tout dans d'autres, et aussi même pour les cancers sensibles, ne marchent pas chez tout le monde. Donc les gens qui travaillent là-dessus sont en train d'essayer de comprendre pourquoi et d'améliorer tout ça, et depuis le début de cette thérapie, ça s'est considérablement amélioré. Donc il y a effectivement l'espoir qu'il y a de moins en moins de cancers qui sont résistants à ces nouveaux traitements. Ouais. Mais vous avez eu la chance de pouvoir être traité par ces traitements, parce que système de santé français... J'étais le 38e cas. 38e cas en France de cette... Voilà. Je crois que c'est important peut-être de dire aussi qu'on a la chance de bénéficier en France d'un système de santé qui nous permet d'être traité, alors que c'est des traitements qui coûtent la peau des fesses, et qui sont... et la Sécu prend ça en charge. C'est remarquable, c'est super important. Oui, une dernière question. Tout simplement, moi j'ai remarqué tout au long de votre intervention, en fait, pour moi ce que j'entendais beaucoup, c'est la notion d'équilibre. Comme vous avez dit, si une cellule elle vit, comment dire, avec toujours l'équilibre d'adaptation entre l'action et et comme vous avez abordé à la fin, on a, selon nous, on entend tous. Entre eux, il y a de plus en plus de personnes qui se disent intolérantes ou allergiques au gluten, intolérantes ou allergiques à telle ou telle chose. En fait, moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des régimes de plus en plus différents. Alors, qui ont, pardon. Des régimes de plus en plus différents dans le sens où ils réagissent à tel type d'aliment, ils ne supportent pas tel type d'aliment, etc. C'est régime non volontaire. D'accord ? Moi, je me dis, mais pour moi, j'entends presque qu'il y a un problème de ce que l'on mange ou de l'environnement, il y a un problème d'équilibre qui est perturbé. Pour quelqu'un, vous avez parlé de maladie auto-immune l'intolérance au gluten. Je connais ça dans ma famille. Je ne le suis pas, je connais ça dans ma famille. Mais moi, j'ai la sensation aussi que quand je vois le taux de gluten qu'on mange, la quantité qu'on mange de toutes les nourritures développées, c'est ça aussi qui a fait exploser, qui fait qu'on ne supporte pas. Si on devait manger de la salade en permanence, il y a un moment donné, le corps, il n'en peut plus. Donc en fait, cette notion d'équilibre que je retrouve dans votre système immunitaire que vous présentez, je me dis, mais... on est en train de tout adapter, sauf notre environnement, notre nourriture, on n'en est pas conscient de cette notion d'équilibre qui se retrouve dans le système immunitaire. En gros, je comprends, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, je voudrais mettre en garde peut-être contre... Attention aux analogies. L'analogie de notre vie avec ce qu'on mange, ce qu'il y a... C'est pas exactement la même chose que l'équilibre dont je parlais entre des cellules, des récepteurs activateurs, des récepteurs inhibiteurs.
c'est un peu plus, probablement un peu plus compliqué, c'est très multifactoriel. Et puis, par contre, je suis complètement d'accord avec vous, moi j'aime bien dire des choses comme, vous savez, le hamburger, c'est très bon pour la santé. C'est juste que si on en mange tous les jours, c'est très mauvais. Mais moi, j'aime bien aussi dire ça, parce que je participe, je fais une fois par semaine, je fais un peu de marche, histoire de ne pas, de me protéger contre les maladies cardiovasculaires. Et j'aime bien dire aux gens qui marchent avec moi, vous savez, le sport, c'est très dangereux. Mais oui. Regardez, même les gens, d'ailleurs, même je ne parle pas de Nadal et comment est-ce qu'il a gagné Roland Garros, hein, avec quelle thérapeutique qui lui a permis de tenir. Bon. Mais je parle de tous ces gens qui font du jogging et qui sont avec des arthralgies absolument épouvantables, des problèmes, des claquages et tout. Je crois que c'est comme le hamburger. Je crois que si on vous fait que du hamburger ou que de la salade, évidemment que ça n'irait pas bien, qu'on ne serait pas bien. Ce que je crois, c'est que oui, on a une espèce d'hygiène de vie qui fait que ça a du bon sens simplement de vivre un peu correctement. Mais attention, l'équilibre en question dont je parle, c'est vraiment des choses, c'est pas des idées, c'est vraiment des choses. Quand je dis l'équilibre entre récepteur activateur et récepteur inhibiteur, c'est l'équilibre entre les phosphatases et les kinases qui font les choses honnêtes. C'est-à-dire qu'on va aller, on va dans des trucs extrêmement précis, extrêmement particuliers. Dire que si on a un équilibre avec son environnement et tout ça, c'est bien plus compliqué que ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire le contraire, que évidemment n'importe quel truc poussé à son extrême, ça va forcément faire des problèmes majeurs, parce que notre conscience ne pourra pas s'adapter à des changements radicaux. Je crois que nous devons quitter la salle à 8h30. Bon, avant de remercier M. Jacquin, je tiens à rappeler que la 26e édition de Cité Philo n'est pas encore terminée à Amiens, puisque demain, nous avons Ma Parole qui se tient à la Maison du Théâtre dans l'après-midi, où vous êtes tous invités à y aller. De même qu'il y a, mais là c'est dans un lycée, mais c'est ouvert au public, hein. C'est donc au lycée de la Haute-Oise, c'est de 14h à 16h, il y aura une conférence débat, hein, avec les élèves, mais aussi avec les professeurs et le public. Mangez-vous les uns les autres vers un futur cannibale, c'est par Dominique Lestelle. Philosophe. Voilà, vous êtes bien sûr invité à participer à cela. Je rappelle aussi que si vous voulez prolonger ce débat, vous pouvez acheter le livre de M. Bayron, c'est L'immunité et la vie pour une autre immunologie. Je crois qu'on sera complètement sur tout ce qui a été dit ici. Et je tiens bien sûr au nom de Cité Philo et aussi de l'Université Populaire, puisque nous collaborons ici, à vous remercier chaleureusement pour cet exposé très riche qui a d'ailleurs suscité pas mal de questions. Merci à vous. Merci à vous.